trop excité. Ah ouais, mais t'es vraiment explosé. Dans le pire des cas, ben, tu vas te confier. Si t'y allais, l'arme à l'œil, tu vas le dire. Radio Sexe, dimanche 9h30, on est tous au programme. Ouais, ouais, Radio Sexe, on est dans le top, mon Squeezie. Ouais, ouais, si jamais tu la trouves belle, faudra appeler Docteur Hlel. Si jamais tu veux son derge, faudra appeler Docteur Sexe. Si jamais tu veux le coup, faudra appeler Docteur Douze. Dédié à Kevin de Soleil, hey, localisé comme Joël, hey. Si jamais tu veux le L, yeah, faudra appeler Coteil, hey. Dimanche jusqu'à très tard, okay, oui. Faudra se lever tôt. Nani, Bifray, Joël, yeah. Mister Kameto, Yass encore et Prime, yeah. Radio Sexe pour faire ton day. Ooh. Elle a sucé pour une play. Elle a trompé et un gosse, yeah. Yeah. Il a terminé sa bosse, yeah. Il a fait ça pour le dos, yeah. Hey. On est là sur Radio Sexe. Là sur Radio Sexe. Le sexe. Radio Sexe. Radio Sexe. Radio Sexe. C'est nous. Aïe aïe aïe, tous les bruits. Ouais, c'est parti. Aïe aïe aïe, bonsoir à tous. Du sexe, du cul, du sexe, du sexe. Ah, ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir Paris. Bonsoir. 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 On a sorti les blues. On a sorti les blues, comme vous pouvez le voir. On est là pour la Radio Sexe IRL, la Radio Sexe spéciale qu'on a teasé la semaine dernière. Ouais. Sombre. Aujourd'hui, on a un invité de marque, on a un invité Terre le Flow. On a un millionnaire. Un Big Mac, hein. C'est un joueur qui a de l'oseille. Hein. Au 21e siècle, un mec qui fait un Big Mac. On a Broken ce soir avec toi. Ah voilà, toi. Bienvenue Broken. Vous avez pu deviner, moi, NBA, il regarde les matchs NBA maintenant. Il casse. Au State, directement. AB1 en force. Ça commence déjà bien. Il y a Côté avec nous, comme ouais, d'habitude. Salut. Il a un peu rasé sa moustache ce soir. Ouais, ouais, ça repousse, ça repousse. Ça arrive. On a le chauve maintenant, Zach. J'allais dire, j'ai fait mes contours pour l'émission, mais... T'as fait l'équivalent. Voilà, je me suis rasé le crâne. J'en avais marre un petit peu des cheveux. Voilà, c'est mais voilà, je suis content d'être là. T'es beau gosse, là. T'as on a le frère chauve de Zach. Docteur RG. Le frère N-Worm. Le frère d'Etika. La cravache. Le max d'accessoires. Ah ouais, le gel. Quoi d'autre? Montre les accessoires. Hein, là, j'ai le gel. J'ai la cravache, le gel. Il est où, mon... Bondou, les insectes. Des criquets, au paprika il y a écrit. En mode c'est des chips. Non, non, manger. Ouais, t'inquiète. Non, bah, j'ai pas oublié, tu vas manger tout à l'heure. Avec un fouet, avec ton fouet. T'inquiète, j'ai pris le téléphone. Ah ouais, ah ouais. Avec un fouet. Ok. Ah, c'est chelou. Ah ouais. Il est bizarre, votre mec musclé en fait. C'est mec et tout. Il est chelou, votre Joël. Et pour finir, on a Dr Love, ah oui. Le seul, l'unique. Salut les bleus. Les bouclettes comme Ronaldo. Les meilleures bouclettes du game. Les mecs aux bouclettes sur Twitter. T'as vu, t'es bizarre, pose le fouet si tu veux prendre les bouclettes. Ouais, c'est sûr. Et bah du coup, bah, ce soir on se retrouve tous, IRL pour la Radio Sexe. Ouais. On va faire comme d'habitude, tout va se passer comme d'habitude, juste bah on est là, c'est tout. Vous voyez nos têtes, d'habitude vous les voyez pas. Dédicace, Aya c'est sa calvitie. Ouais, qui n'a pas on pu être là. On pense à toi et ta case, dans son appart, dans son studio, avec son écran 4K. Il le sait. Et ses placements de produits. Excuse-moi. Ouais, voilà, toi aussi, frère. Tu fais des dédicaces au début. T'en as beaucoup aujourd'hui. Vu que c'est une édition spéciale, le producteur sombre vous a fait une petite surprise. Je le laisse en parler. Ah ouais. On a des petits concours aujourd'hui, des petits trucs à vous faire gagner. Donc là, on aura d'abord un premier concours, c'est Vertagir qui nous fait gagner 3 sièges. Ah ouais. Donc t'auras un petit siège sur Twitter, faudra juste RT follow le tweet. Et follow les comptes, et puis tu auras deux sièges sur Instagram. Ok. Donc voilà, les concours arrivent, Twitter, Insta, je tout ça. Voilà, c'est la moustache, je vais jouer tout. Merci à Vertagir. Ouais. Hein. Déjà, les frères, comment vous allez? J'avoue. Ça va. On a des blouses. On mange un Big Mac, on est à l'aise. On a des blouses. On a des blouses. Il y a des gens qui travaillent vraiment dans un hôpital, ouais. Ils ont pas de blouses. Ouais. Emmanuel Macron, écoute ça. On a des stéthoscopes, c'est ça hein. Mais comment? On peut écouter notre cœur. Et ben voilà, moi je pense qu'on peut démarrer direct les gars. Ouais, 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 on est chaud. Allons-y. Je sens qu'il y a une bonne alchimie là. Ouais, l'alchimie elle est là. Ah, il parle d'alchimie. Ah ouais. Kamel le lover. Ouais, la régie, est-ce qu'on a le son du Discord?
Oh, ça commence déjà. Ça va parler direct à la régie. Déjà, quand ça commence par la régie, ça fait peur. Ouais. Non, on est la première candidate. Ok. Candidate, vie fraîche, dédicace à vie fraîche. Dédicace à vie fraîche. T'avais dit, il y aurait des meufs. T'as dit. Ah, c'est. Allô, bonsoir. Vas-y, Brogan, dis bonsoir. Bonsoir. Tu veux quoi? Ça va, ils m'ont jeté dedans, ils m'ont même pas dit, j'ai rien compris. T'es dans la cage. La fosse au lion. La fosse au lion. T'es encerclé. C'est toi le flamand rose. Vous parlez maintenant. C'est toi le flamand rose. IRL ma gueule. Non, ça va, tranquille. Bah vas-y, présente-toi. Hein. Tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Oui. Bah, je m'appelle Cam Cam. What? Cam Cam? Non, mais c'est mon surnom. Ah, ok. Pokémon, ça. Cam Cam. J'ai 21 ans. Je suis en études d'infirmière. Ah, parfait pour l'émission. Pour les mecs de la muscu. T'avais des blouses, toi? Ah, t'as une blouse, ça veut dire? Non. J'ai pas, tu vois, je sais pas. Il a pas menti. Ah, il a fort. Bah, vas-y. Je suis en couple depuis décembre. Décembre, c'est tout frais. C'est récent. C'est récent. Dommage. Donc là, le problème, il est tout frais et je vous l'apporte pour le régler. Ah ouais. Ah, bah, ok. On s'en occupe, les gars. Du calme, du calme. On n'a jamais déçu un client. Bah, vas-y, toujours satisfait, les mecs. Ouais, si, il y en a 25. Vas-y, bah, vas-y, explique-nous ton problème. Dis-nous tout. Bah alors, je sors avec un mec que j'ai rencontré sur une appli de rencontre. Celle que je conseille, là? Non, pas celle-là. Celle-là, elle est zéro. Oh, oh là là. Dis pas ça, il y a des marques qui écoutent. Ouais, dis pas ça. Check son cœur. Ah mais frère, là, ça va pas fort, là. t'as pris une balle direct. On s'embrouille avec Cam-Cam, là. Moi, j'aime bien Cam-Cam. Cher, ça, bâtard. Et donc, j'ai rencontré un mec sur une appli de rencontre. Ouais. Et on s'est mis en couple assez rapidement parce que le courant est passé bien et tout. Électrique. Tranquille. Ouais. Du coup, vous êtes mis en couple. Ouais. Et ça veut dire qu'on a des relations sexuelles. Elle va vous expliquer comment c'est. C'est chouard. Elle l'a bien dit. Parce que là, logique, il n'y a pas de problème. T'inquiète. C'est propre. Ça, c'est vulgaire. Elle, c'était. Ouais, j'avoue. Pense que ce qu'il voit dans les films porno, c'est dans la vraie vie, on le fait. Aïe. Un cas social. Il fait n'importe quoi. Heureusement, t'as donné ton surnom. Hein. Faut qu'ils se ressaisissent. Oh, on parle de quel. On parle de quel panier. Vas-y. On parle de pratiques assez hard. Oh. Ah ouais. C'est-à-dire, quelle pratique? Français, s'il vous plaît. Peut-être pas trop. Ah ouais? Vas-y. Si, non, c'est bon, je t'inquiète. En fait, il veut faire des gorges profondes. Il veut. Genre. Enculer. Et c'est le français! Ah ouais, c'est. Du sexe, okay. du sexe! Il est super fort, il fait pas de préliminaire. Enfin, ah ouais, c'est un homme préliminaire! C'est... c'est un sauvage, un homme des cavernes! Mais tu sais que t'es avec Java des cavernes! Comment ça s'appelait? Oh, c'est Pierre Rapeux! C'est Tarzan! Ah ouais! Elle lui, il est gentil avec toi? C'est genre, suce-moi, et quand je le suce, bah il crache, donc au final. Oh bah Il fait aucun effort. Eh, hey, mais t'es vraiment avec. Attendez, on va pas juger comme ça. C'était marrant. Bah, ils sont rapides. Non, mais déjà. Moi, je te raconte comment ça se passe. Ouais, c'est ça, là, t'as raison. Et c'est inadmissible. C'est juste que là, le comportement du gars dont on est en train de parler est inadmissible. C'est un truc de ouf. Non, c'est pas inadmissible. Il est fatigué, peut-être. C'est la honte de la France. Il a un mot dans sa tête, genre niqué. Et dis-moi si t'es allé sur la bonne appli en question, t'as un problème. Tiens. Bang. Aïe, il est revenu dans le game. C'est le recoin des charros de plus de 40 ans. Ils sont tous à. C'est non, c'est mort. Non, tu peux régler là. Bah ouais, tu peux régler là. C'est le mythe qui tient. Échec et mat. Moi, je suis avec toi, frérot. Voilà. T'as contré. Ouais, mais j'ai parlé de l'âge. Il a un fouet, donc je vais pas faire le malin. Et est-ce que tu lui as déjà adressé ses problèmes ou. Ouais, ça, oui, je lui ai dit qu'il faudrait qu'il aille plus doucement, qu'on fasse des préliminaires un peu plus longs, parce que genre en gros, moi, je prends pas vraiment mon plaisir comparé à lui, et sachant qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'ai eu qu'un seul copain avant, et je suis restée longtemps avec lui, alors que lui, il a eu je sais pas combien de meufs, je sais pas combien de plans cul. Si. Et je lui ai dit, c'est une honte quand même ce que tu fais avec toute l'expérience que t'as eu. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'il t'a juste un peu menti en fait. Ouais, sinon, il te traiterait pas comme ça. Je pense pas qu'il m'ait menti parce que, genre, on va dire, il est un peu coté sur Twitter et Insta.
Ah, ne dis pas son nom. Non. Ah, pas de nom, pas de nom. Non, mais en vrai, même sans le nom, tu sais qu'être coté sur Twitter, Insta et même avoir une certaine attitude, ça veut rien dire. De la véracité de ce qu'il raconte. Bah ouais, ça se trouve, c'est un baratineur. Peut-être que c'est encore plus du bluff, justement. Mais là n'est pas la question. Peut-être que c'est du bluff, mais après, quand je regarde ses DM, parce que je suis assez curieuse. Il y a des meufs, ouais, j'ai envie de baiser avec toi. Ouais, mais elles vont pas contester. Non, tu m'as pas fait ça, nanana. Alors qu'il est nul, tu comprends pas pourquoi il a dit ça. Il s'est fait des comptes meufs. Ah ouais, non, c'est un monstre. Mais c'est sûr, mais dis-toi que quand il a beaucoup d'exposition, comme tu l'as dit, tu vois. Donc il a forcément plus de contact avec les meufs qu'un mec normal, en vrai, tu vois. Je pense pas. Possible. En vrai, parce que je te dis, il y a beaucoup de meufs, vous aussi, vous partagez, parce que vous avez tous des gros comptes, vous avez pas me laissé comme ça. Hein hein ah non. Le truc, c'est que ouais, c'est t'as pas vraiment le temps, en fait. Même si tu voudrais voir tout le monde, c'est plus... ouais, c'est mort. Tu lui parles parce que, vas-y, t'as rien à faire, en fait. Ouais, boulot. Voilà. Ah, il a pas une photo de profil Thierry Henry, ton gars? Non. Est-ce que c'est Lucas Paqueta? C'est mal fait, c'est Pita. Non, moi je pense. Mais quand t'as dit, tu lui en as parlé, ouais. Est-ce que tu l'as sous-entendu ou est-ce que tu lui as vraiment dit en mode non, c'est trop là? Non, genre c'était. Je peux pas lui dire comme ça parce que je vais pas le blesser en soi. Parce que lui, il pense bien faire. Ouais, mais bien sûr, tu vas pas lui dire ressaisis-toi, chacal, mais après, tu faut. Comment ça? Il va pas lui dire, bien sûr, d'une certaine manière. Pourquoi il pourrait pas lui dire? Non, et là, non pour pas qu'il se renferme. Pour pas qu'il se renferme. Ouais. Il lui fait de l'amour dans le trou de balle. Hein. Ouais, mais ma gueule. Non, c'est quoi? Il veut. Ton gars, c'est un russe, mais effectivement, genre, faut que t'abordes le sujet en profondeur. Limite, que tu lui fasses une liste de choses que t'aimerais avoir. Bien joué, ça, docteur. Non, mais en fait, c'est qu'il fait des trucs qui lui plaisent à lui. Ouais, je sais, mais faut que tu dises des trucs qui plaisent à toi. Je comprends pas que l'amour, en fait, c'est à deux. Lui, il privilégie son plaisir à lui. Ouais, c'est quand même c'est un égoïste. Ouais, deux pour que ça soit bien. Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes, ça veut dire? De moi, quand même. Je veux pas dire que je l'aime, on est ensemble depuis décembre, quand même. Bah ouais, tu vois. Mais je me suis attachée à lui parce que... Non, s'il te plaît, Seigneur. Non, reste. C'était... Attends. Mais non, la wifi, il est non! Il est grave gentil, il est affectueux, il a. Ok, c'est sa connexion. Okay. C'est sa connexion hein, pour les mecs sur le stream, c'est pas. Aïe. J'ai trop la haine que ça bug! Non, t'inquiète, elle va revenir. C'est bon, elle va revenir, t'inquiète. C'est bon? Ah, c'est bon! Ah, ok, attends, elle s'était arrêtée où? Hein à où? En fait, quand elle parlait de. Je me suis envie de parler. Pourquoi tu l'aimais bien? Elle est bien chez lui, genre. Elle est attachée. Ah, oui. Ouais, ça a bugué. Ah, on a entendu jusqu'à quand t'es attaché. Il est attaché, attentionné et tout, quoi. Attachant, oui. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est elle qui est attachée. J'ai pas compris. Mais ouais, j'ai compris. Donc il est bien, quoi, dans la vie réelle. C'est juste le sexe qui pose problème. Franchement, c'est une crème. Genre, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tu dis, vas-y, non, c'est. Attends, je suis trop cru. Un gros queutard et tout. Mais au final, c'est un mec bien. Et ouais, genre, dans la vie de tous les jours, c'est agréable d'être avec lui. Y'a pas de soucis. Mais après, Souli, t'as eu. Okay. Trop bien, mais après, niveau sexe, et je pense que le sexe, ça fait au moins facile 40%, 30%, quoi. Ça s'entend. Si c'est pas plus, hein. Ouais, non, mais je suis assez d'accord sur le concept. Ouais. Ouais. Bah, à c'est la longue, combien pour toi à la longue. Pour moi, le sexe dans un couple, ouais. C'est au minimum 70%. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vous sortez avec une meuf, c'est de rester avec elle. C'est un Renoir, ton gars. Si vous prenez pas de plaisir au pieu, si vous prenez pas de plaisir au lit avec une fille, ça sert à quoi de rester avec elle? Ouais, mais ça sert à platonique, ça te parle, tu vois. Non, c'est un débat. C'est un débat. Ouais, on t'entend. Platonique, c'est du genre. Attends, ouais, t'entendais pas. Si, on t'entend, hein, voilà. Elle entendait pas. Ah, ok. Non, parce que là, il y a un débat, là. Toi, c'est combien de pourcents? Qui, moi? Toi, moi, Docteur Love, 87. Joël, ouais, je suis. Attends, et toi, c'est pas mal. Attends, frère, attends, ouais. 40%, compris. 40%, oh le menteur. Non. Oh, objection. Il s'appelle Docteur RJ, hein. Docteur Bluff, ouais. Non, mais tu sais, y a pas que ça, tu vois. Et des fois, tu fais des petites balades avec ta meuf. Y a pas que des balades. Et quand t'auras fini de te balader, t'auras tout vu. Tu vas faire quoi? Non, mais quand t'auras fini de baiser, tu fais quoi? Il veut dire dans l'importance. On refait. Mais la rue, c'est la même. Hein? La rue, c'est la même. Comment ça, la rue, c'est la même? Bah, tu vas te promener une fois, c'est bon. Ouais, mais il y a tellement de trucs à faire, tu vois, des sorties, des... Ouais, des voyages. Bah, tu vas faire les deux. La baisse, c'est bien, mais... Ça veut dire, à chaque fois que tu vas faire une sortie, une belle promenade, ça va se finir par un... Oh, j'avais zappé, il est nul. Mais non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des trucs qui ont d'autres une importance. Ouais, voilà, ouais, lui, il préfère faire des ouais, bas, on parle de là. C'est un tout, et donc du coup, lui, dans sa conception... Canard, là. Et ben, le sexe... Ah, IRL, en plus. Ah, ouais.
Non, c'est pas une question de canard, c'est ta vision des choses. Voilà, je la respecte, tu vois. Voilà, il respecte. Ah, il respecte parce que c'est Joël. Non, parce qu'il est un peu bâtard. Même, ça va trop vite. Non, mais je vois ce que veut dire. Après, moi, je pense que tu devrais reparler avec lui. Hein. Moi, il faut lui parler clairement. Ah, non, même. Clairement, une vraie solution, je pense, même, ce serait en mode. Domine, si ça te plaît pas. Il y a un gars, il est passé, il nous a dit sa meuf, elle lui a mis un ultimatum. Vous en rappelez? Ouais. 2 semaines pour la faire jouir. Ouais. Wow, ça fout la pression. Ah ça. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, 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 ouais. Bah, faut que tu lui fasses pareil. Les gadgets. Ouais, non, ça, non. Là, non. Ça va trop loin. Tu lui dis, bon, écoute, chacal, là, t'as 50, t'as quoi? T'as 2 semaines histoire de bien me remplir le four. Tu t'y prends bien. Genre, Zach. Bah ouais, doucement. Comment remplir le four, il a dit. Comment, Zach? C'est pas chez Zach qui prend les dagues. Il manque une petite pierre, là. Ouais, il faut qu'elle soit claire avec lui. Ah, il faut remplir le four. Ah ouais, là, niveau bouchou. C'est remplir le four. Remplir le four, le bâtard. Ouais, le tout, non, c'est la meuf, bien. Le gars, il vient, il a. Eh, mais attends, j'ai une question. Vous l'avez vraiment fait par derrière ou il t'a proposé? Non, il a proposé. Enfin, il lui a dit. Attends. Il m'a proposé, en fait, on était en train de faire l'amour. Et puis, je sens quelque chose qui veut rentrer. Je lui ai dit, tu fais quoi là? Ah ouais. C'est pas, il t'a pas proposé. Tu veux pas, nanana. Et est-ce qu'il a utilisé du gel avant de rentrer? Est-ce qu'il a utilisé du gel? Il a essayé, non? Il a voulu faire rentrer à sec. Je sais pas, il a fait quoi, mais j'ai dit non. Voilà. Et attends, mais t'avais même pas demandé au préalable, le bonhomme, genre il a fait c'était la surprise. Clac, clac. Ben, après, non, mais c'est. T'es là pour moi, non, peut-être qu'il s'est dit aujourd'hui, je suis en forme là, c'est bon. Ouais, là, aujourd'hui, je rentre là. Il a vu dans le mari du moment, tu vois. Et pour moi, ce trésor. Zarmal, elle est pas captée, genre. Non, mais t'es. En plus, je vois bien le cognon en train d'essayer de faire ça, genre. L'air de rien. Comme ça, on le sentait pas. Bah ouais, non, ouais, du coup, vraiment, pour revenir à ton problème, faut vraiment que tu. Genre, je pense, faut vraiment, comme on t'a dit, tu y parles et deux, genre, tu fasses peut-être une liste de choses que tu veux qu'il te fasse. Ah ouais, la communication. Ou comme a dit Joël, genre, tu domines, tu prends le pas, tu vois. Maintenant, tu dis, allez, vas-y, maintenant, tu vas faire ça. Tu vois, tu laisses pas le non, choix. Mais donc, tu imposes genre tout, une position, un truc comme ça. Moi, j'ai dit ça. Après, je suis à ton micro. Pas... Hein, c'est moi, j'ai dit ça. Pour une chaîne, non plus. Ah, c'est de la personnalité, quoi. Il faut domine. Si ça va pas comme tu veux, ouais, essaye de le faire en mode. Essaye de parler déjà. Bah, elle a déjà parlé. Non mais genre parler. Non mais parler, clair. Genre lui, en mode. Tu t'éclates pas, dis avec voilà, avec toi, je sais pas bien. C'est, lui, c'est chiant. Lui dire les choses. Il va pas deviner, il est pas dans ta tête. Et après justement lui il va tout faire pour changer, tu vois. Enfin, ah ouais. Il va essayer de déjà, rattraper lui le coup. Dit que en gros ça me faisait mal certains trucs qu'il me faisait. Ouais. Il m'a dit bah merci de m'avoir dit, je vais faire attention. Le soir même, il a refait la même chose. Mais fallait le rappeler que ça fait mal. Pendant l'action, je vais pas dire non, tu te stoppes, ça me fait mal. Bah si, tu peux. Mais bien sûr que si, absolument. C'est ton mec. Tu sais, si tu prends tout sur toi sans rien lui dire, lui, il comprend même pas. Même, ça se trouve, ça peut casser des trucs. Je vais lui dire en quelle langue? Non, mais genre, tu lui répètes genre pendant l'action. Dis-lui en body language, tu te stoppes, tu le pousses un peu, tu dis wow. Slow down. Ouais. Comment, hein, là, il fait l'amour comme s'il était dans le Far West, tranquille. Dis-lui tranquille. Ouais. Dis-lui laisse-moi tester, c'est moi qui m'occupe de tout aujourd'hui, calme. Tu lui vais te montrer un peu. Tu lui mets la deadline hein, si ça marche pas. Ouais, sinon il y a la deadline. Moi non, c'est l'ultimatum, moi c'est trop pour moi. Bien, c'est trop, bah oui, on rigole. Je vais faire que des contre-performances. Là, pareil, moi je suis sous pression. Faut lui l'ultimatum sera genre encore pire. Non mais si je lui fais l'ultimatum, il va paniquer, il va faire encore pire. Non, bah oui, mais non. T'inquiète, il a l'air solide hein. Le meilleur, il perd sous la pression. Non, il faut un challenge. Il faut qu'elle lui dise parce qu'en plus, il y a d'autres meufs qui kiffent Ken avec lui, tu vois. Il y a d'autres mecs qui kiffent Ken avec lui. Et genre, lui, il va pas se poser de questions. Il va dire, ouais, non, si les autres meufs kiffent, pourquoi elle les kifferait pas, tu vois. Il y a trop de kiff, voilà. Moi, c'est pas pareil. Je comprends pas pourquoi elle dit ça parce que tu vas un peu fort, etc. Et elle a dit que t'es hyper doux et tout. Mais non, tu l'es pas. Après, il m'a dit, ah ouais, tu trouves. Ouais, mais les filles, vous pensez, vous êtes pas toutes pareilles. Vous êtes pas toutes pareilles. Il y en a qui kiffent. Ouais, mais je lui ai dit. Mais. Il a pas l'air de comprendre. En fait, moi, je suis sûr que quand tu dis que tu lui as dit quelque chose, tu l'as pas fait assez bien ou d'une manière. Tu vois. Ouais. Enfin, c'est juste une discussion vite fait. Ouais, tu y allais sur la pointe des pieds. Tu prends ouais. beaucoup sur toi sans trop lui parler. Rien que le fait que tu. Genre, t'imagines pas s'il y va trop fort, le fait de l'arrêter pour lui dire, oh, doucement. Tu vois, rien que le fait que tu sois pas capable de faire ça, ça prouve que. Tu dis pas assez en fait. T'as une certaine retenue quand tu ouais, lui parles. C'est ça, c'est ça le truc, faut pas. Tu après, prends trop sur toi. Mais après, c'est nouveau aussi leur relation. Tu vois. Ah, bien sûr, mais tu prends pas sur toi ouais, comme mais ça. Quand tu même. Vois. Ouais. Après, sinon, tu finis radio sexe. Et ça veut pas dire que mais c'est un mauvais truc. Hein. Ça va, elle est venue régler son problème. Ça va, on rigole. Non, on mais est moi, sympa, franchement, on discute là. On est pas. On va pas clairement dit.
Non, il faut une vraie discussion là. Ouais, discussion. Moi je pense aussi. Yes. Vraie. Mais une vraie discussion. La communication, domine. La base. Domine. Fais les trucs que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Fais une liste. Donne-lui une liste de trucs. Exact. Tout le temps, toi, t'es précis. Hein. Jure. Juste parle avec lui. Ouais, je te jure. Une liste, on arrive avec un bloc-notes. Quand t'appuies sur ma tête, alors il n'y a pas quand tu fais ça dans mes fesses. Ah ouais, ah ouais, ouais, bon, ouais, c'est un bon. Voilà. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu vas détruire votre relation. Bah oui. Tu vois, tu vas prendre sur toi jusqu'à péter un câble un jour. Ouais. Mais lui, il aura même pas compris, tu vois. C'est ça. Après, on se projette un petit peu, c'est un peu des bêtises. Mmh. Mais ouais, non, dis-lui, c'est comme si les hommes, c'était des gros enfants, tu vois. Faut que tu lui dises à chaque fois, non, pas ça. Caca, pas bon. Bon, bah... Let's go. On va passer au suivant. C'est bon, on est réglé, je pense. En espérant qu'on t'a aidé un petit peu. Et non, repasse, ouais. Hein. Repasse, si jamais ça t'a aidé. Il y a un problème, j'ai pas fini. Oh, 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 ça commence par un double. Elle a parlé de son deuxième mec. Oh yes, troisième bientôt. Ok, vas-y, dis-nous du coup. Donc le deuxième problème, c'est comme je vous ai dit, il est coté sur les réseaux. Mm-hmm. Ouais. Donc ça veut dire qu'il vit pour les réseaux. Limite, hein, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que dès qu'on fait un truc, ben il va snapper, ou bien quand il va me faire des papouilles, il va snapper, ah, etc. Comment il fait, etc. Pour après avoir les gens qui disent ah c'est trop mignon, t'es trop adorable, etc. Ah ouais, c'est grave. Ah, c'est un chien. C'est une attention noire. Oh, c'est long. Ah ouais, c'est moi je suis grave discrète, genre j'ai wow. Les réseaux sociaux, j'ai sans abonnés, c'est bloqué et tout. Des grands. Ouais. Et lui il fait que de me publier, etc. Et je trouve ça gênant. Ah ouais. Là, mais lui, il faut lui parler. Ouais. Et okay. Ah ouais, là je pense, il y a objection. Il y a objection. Il fait du bif sur toi. Ah ouais. J'ai une objection, monsieur les docteurs. Bien sûr, bien sûr. C'est moi, je suis paranoïaque. Ah bon, t'écoutes. Ok. Ça commence à faire beaucoup, genre 2 mois. Il l'utilise de ouf sur les réseaux. Et en plus, il prend pas soin d'elle au lit, en fait. Tu vois, je pense qu'il sert juste d'elle comme ça, en fait. Pour pour du clout, juste pour faire genre, il est dans le coup, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce qu'en plus, dès qu'elle lui a parlé, lui a dit que genre c'est un baratineur en mode. Et ça fait cool aussi. Tu vois. C'est comme quand tu vas en boîte avec des meufs alors que c'est juste tes potes. Tu vas serrer des meufs. Alors que si tu vas que entre couilles, je sais pas, les autres meufs, ils disent oh, c'est des bolos. En plus, tu fais recaler. C'est des mâles bêta. Qu'est-ce que vous en dites, petit tour de table? Moi, je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec ce que t'as dit. Ouais, moi aussi, je pense que c'est pareil. Il fait trop de trucs comme ça. Par exemple, pour la Saint-Valentin, il l'a réservé un hôtel et tout. Il m'a dit ouais, on va aller dans un bête d'hôtel et tout sur Paris. On part dans un hôtel et tout, on rentre dans la chambre et tout, il y avait des roses et tout sur le lit. Moi, je vais pour les prods, il dit « Ah non, tu touches pas, je vais snapper d'abord. » Ouais. C'est un bouffon. C'est un gros bouffon, vraiment. Wesh, comment ça, je touche pas les roses, je prends une photo. Fallait aller sur la bonne appli. La morale de l'histoire. Limite, il m'a fait une séance photo dans la chambre et tout. Ah ouais, non, c'est chiant. Mais il est gênant. Il est sur tes genoux. Ah, il a vraiment fait ça. Un peu plus à gauche. C'est un CM, genre. C'est un CM. Et moi, je suis partout sur Internet. Et moi, ma famille, ils sont pas au courant. Ils vont me voir, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle est fiancée. Ça fait pitié. Ouais, c'est un... Ah non, c'est abusé, là. Ouais, c'est naze, c'est naze. Tu peux le faire un peu, mais là, c'est trop. Non, non, va trouver un autre gars, il baisera mieux. Non, non, mais dis-lui, franchement... Bah, faut lui parler, à lui, il y a Anguille sous roche. Et en plus, il cassera même pas les couilles avec les réseaux. Une soirée, vous voyez face to face, tu lui dis, voilà, ça m'énerve ça, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça fait beaucoup quand même qui m'énerve. Après, il va dire. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, franchement, j'aurais arrêté. Ouais, moi aussi, j'aurais arrêté. Hein. Non, arrête. Si, elle a mais ça fait que 2 mois. C'est déjà le problème. C'est ça, faut se détacher. Moi, je suis d'accord. C'est ça. Non, mais de toute façon. Non, moi, les premiers mois, c'est lourd. Bah ouais, c'est la folie. Avant que ça devienne trop grave. Surtout sur le sexe. Sur le sexe, c'est. Non mais c'est la vérité. Il ment pas. C'est absolument la vérité. Normalement les premiers mois c'est là que c'est mieux. Surtout quand tu fais une relation peut-être un petit peu à distance où tu vois la meuf que 1 ou 2 fois par semaine, tu vois. Qu'est-ce que tu la dégommes, frère? Ah bah ouais, vraiment. Genre, tu vas la voir une après-midi. L'après-midi c'est très peu touriste. 20 minutes de Netflix, 20 minutes de 3 heures de. Ah ouais. Réflexion que de la première. Tu la vois l'après-midi, tu la vois entre midi et 19h. Tu vas essayer de la baiser un maximum sans ta montre. Ok, ils sont en train de partir. Ah là, ils sont là, ils sont les voilà. C'est parti là. J'espère que c'est bon. Ils sont partis. C'est désolé, c'est pas nous, c'est l'alchimie. Merci Kamka, mon petit, on a essayé. C'est le fils. Hein. Tu peux lui parler. Après lui, ça a pas l'air d'être un gars. Moi, je dis jamais. Que... Ouais. C'est un homme prestrict, mon frère. Soit tu fais un ultimatum, soit tu le lâches, fosse. Moi, diagnostic, c'est jette-le. Non, moi, j'y parle lui. Moi, diagnostic. Non, lui parle pas. Parle lui et s'il change rien, tège-le. Ok. Non, arrête. Bien aimé la note que t'as utilisée dans tes jeux.
Non, mais ouais, en vrai. Radio Sexe, vous rend célib. Docteur Hell le valide pas, ce gars-là. Hein. Ah ouais, frère. Aïe. Il est cancelled. Ah ouais, il est cancelled, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il valide? La vraie question. Au mec qui prennent des photos sur Snap, là. Non, quand même, l'histoire de ouais, fais-moi des papouilles à rimer sur les réseaux pour que les gens lui disent c'est mignon. C'est, ah, c'est abusé, c'est abusé. Oh, ah ouais, c'est un bureau. Et attends, je refais et tout. C'est... Bon, en tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Jure, c'est le mot de la fin. Allez. Ouais. Wow, ouais. Bah, le docteur, tiens nous courage. Casse-toi. Le docteur, il dit ça la minute. Bon courage. Je voudrais faire une dédicace. Bien sûr. Un carnage. Attention, après, ça peut te cramer. À Remzouz. Ah ouais. Un autre gars de la présélection. Ah, ça charbonne. Bien sûr. Ah, jure. Non, remettez-la. Pourquoi? Il l'ensuite elle a pas fini sa truc en fait. Elle a fait une dédicace. C'est pas grave. Ah, c'est bon, c'est bon. Okay. Ah, okay. Vas-y, salut. Ah, désolé, vas-y. Allez, on va communication, ah. La base. Salut, bah, je vais faire une dédicace à Remzouz et voilà. Ah, c'est tout. Ah, c'est okay, tout. Okay. Ah, j'allais dire. Allez, on tout ça, mais rien. Vas-y, bonne soirée à toi et bon courage. Hein. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Allez, salut. Ah ouais. Du sexe, du cul, du sexe, du cul, du sexe. C'est un bouffon le mec. C'est chaud. Ah, c'est abusé. Ah ouais, non, c'est... Des roses là, c'est vraiment. Des battages. Il a dit tout pas rose. Le sexe. Ouais. C'est le jingle. Faut me dire, moi je suis là, je fais des jingles tout seul, il y a des jingles déjà préparés. T'inquiète. C'est Webedia. Webedia, c'est millions d'euros. Webedia, c'est millions. C'est qui rigole là? Ah ouais, cousin. C'est le nouveau patient. Ah, salut. On est observé là. Petit à fond, on est. En fait, j'ai entendu un rire et je regardais, il y a personne qui rigole. C'est qui le clandestin là? Juste une petite info. On est déjà à 57K sur le live. Voilà, c'est mettre des mots. Oh, respectez. Ah, tout à l'heure, il est là. Ouais, une petite. Ah, ouais. On est plus de 57K sur le live donc. Hashtag Radio Sex sur Twitter. Radio Sex. Ah, on est en TT. Je pense, je sais pas. Hein. Ah, normal frère. Qu'est-ce allez, que les gars, faites tourner, faut qu'on on pète le score ce putain soir. Fort. Ah, oui. Dédicace yes. À Webedia et ses millions. C'est quoi notre hashtag? Radio Sex. Ouais, simple, ouais. Comme d'hab. Radio Sex. Quand même, j'ai fait exprès, comme ça relance le truc. Ah, excuse-nous. Non, il est bon, il est pro. Non, bon, bah vas-y, nouveau patient. C'est parti. Allez. Bonjour. Salut, mon gars. Depuis tout à l'heure, le poteau. Salut, Kameto. Salut, tout le monde, les gars. Ça va. Salut, tout le monde. Bah, du coup. Faut bien un boss. Son micro. Vas-y, Kameto, parle-lui. Qui a dit, eh ouais. Je te dis, c'était trop. T'es un bon, t'es vas-y, un bon. Médecin traitant. Okay, hein vas-y. Bonsoir, vas-y, présente-toi déjà. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge? Je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans, je viens du Val d'Oise. Et voilà, dans la vie, je fais rien, je t'ai scolarisé. Ah, Fortnite, ouais, toi. Rien. C'est pour Fortnite. C'est pas grave, c'est rien. Okay. Rien c'est pas grave, tranquille, on juge pas. J'ai trouvé une formation, tout ça, bref. Aïe, 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 c'est formation. C'est bien, tu t'en sors. C'est un bon. Attends, il a dû se trouver, il est pas allé encore. On essaye d'être positif. Ouais, mais je te dis. Vas-y, présente-toi, frérot. Enfin, présente ton problème. Eh, je suis déconcentré. L'alchimie. Il y a trop d'alchimie, là. Il y a trop de lumière, là. De stress cousin là. respire un coup, respire un coup. T'inquiète. Oh, t'es ta fille Kameto, qu'est-ce qui t'arrive frère? Personne ne le juge. Et d'un coup, je suis content avec tout le monde. Je vais dire, c'est bon. Voilà. Alors, mon souci, c'est que je suis avec une meuf depuis 2 ans. D'accord. Oh, lourd. C'est ça, veut dire. Et le truc, c'est que elle aime bien le cul, tu vois. Elle aime bien me baiser. Comme tout le monde. Ouais, non, mais je vais pas dire, voilà quoi. Ça baise, quoi. Et moi, ouais, le souci, c'est que j'aime bien, tu vois. Je connais pas. J'aime bien le cul, mais. Bon, mais bien, pas hein. Trop, tu vois, non plus. Comment ça, attends, frérot, juste, on m'a dit en régie, il faut que tu t'éloignes ton micro de ta bouche parce que. Ouais, on entend trop des. Apparemment, c'est bizarre quand même. Là, c'est bon, là. C'est comme quand toi, t'es. Ouais, je pense, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon, un peu mieux. Ouais. C'est bien. Pardon, les mecs, pardon. Tranquille, frère. Dernière fois, quoi. C'est en stress total. Je suis pas bien. Vas-y, non, tranquille, t'inquiète. Du coup, ta meuf, elle aime bien baiser. Toi, t'aimes bien baiser. Vas-y, il se passe quoi après? En fait, le truc, c'est que, bah, des fois, elle aime trop, en fait. Et donc moi c'est vraiment très chiant parce que c'est à dire que des fois je suis mort, vraiment mort. Ah, t'es en fait épuisé. Pour me faire plaisir je le fais quand même. Il y a une boisson pour toi. Crazy Tiger. Je vois pas où est le problème. Je vois pas de problème moi. T'es un soldat ou t'es pas un soldat? Faut faire du cardio. Ah mon gars. J'arrive pas. Bois de l'eau, reste hydraté. Un missionnaire est là, il a des crampes. Et toi, ça se voit, t'as la flemme. Ça se voit, c'est un flemmard. Ok, ça veut dire. Sur ton profil ou ta voix, t'as la flemme. Je suis un flemmard, en fait. Mais je suis un gros flemmard, mec. Mais c'est pas le problème, mais il est pas là. Le problème, c'est qu'il faut qu'on sauve ton couple.
C'est vrai. Ça veut dire que vous faites combien de fois l'amour? Ouais, c'est ça, combien de fois? Avant que tu sois en mode, ouais, c'est bon. Non, en vrai. On répond à la question. Oh, attends. Non, non, en fait, on fait genre une ou deux fois. Ouais, tu te la merde, gros. Ah, t'es un soldat. Après, ça fait deux ans qu'il a vu. Attends, attends, attends. Hein? Vas-y. Des fois, genre, quand c'est la troisième fois, c'est trop, tu vois. Je suis comme ça, gros. Elle a sucé mon âme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. D'accord, c'est comme ça. Les fois, elle dure combien de temps? Là, c'est vite. C'est ça. Mais gros, en fait, le truc, c'est que je suis endurant. Du coup, ça prend vraiment 5 ans et demi, tu vois. Non, mais des chiffres, ça peut. Ouais, non, des vrais chiffres validés par l'INSEE. Des chiffres, c'est 2h30, 3h. Attends, quoi? C'est un film. 2h30, 3h! Viens, ouvre un studio de pornstar! Je te jure! On va s'en mettre les doigts! Attends, tu peux baiser pendant 2h30? Mais venez, on ouvre un truc de pornstar, je te dis, on passe l'argent! Mais attends, mais. Regarde-moi, moi, tu es vraiment un vrai producteur! Je te casse les couilles! Tu cherches du taf, mi frère, t'en as pas marre, wesh. Bah moi j'en ai trouvé un taf. Manuel Ferrand, ah, faut le... Mais c'est pour ça, tout de suite, c'est pour ça, en fait. Non, mais c'est... La nouvelle génération. Tu peux te faire, mais arrête, tu vas baiser pendant 2h30. 2h30, frère. Mais imagine, on ouvre un truc de pente. Mais parce que... Film par jour, parce que le truc, c'est que tous les gens, ils nous appellent pour ça. Ouais, c'est abusé. C'est quoi, c'est ta meuf, elle t'excite pas? Ah ouais, frère. Si, bien sûr que c'est, elle m'excite et tout. Je suis vraiment endurant, tu vois. Mais le truc, c'est que, genre, tu vois, quand une fois, ça dure 2h30. C'est long après. Non mais ouais, mais là t'as un problème. Au bout d'un moment, tu lui as fait des fractures, gros. Oh, mais elle peut pas mouiller pendant 2h30. Je sais pas. J'en ai marre au bout de 2h30. Elle peut pas mouiller pendant 2h30, la meuf. Peut pas. Avec ça. C'est pour les mains, c'est du gravier à l'intérieur. Mais non, ça c'est liquide pour les mains, c'est pour se laver les mains. Avec ça. Voilà, ça c'est... Merde, ça. On voit, on voit. Non mais vraiment, au bout d'un moment, ça se fait que c'est un bac à sable, gros. Y'a plus rien. T'as un bac à sable. Tu donnes des poissons, quoi. Non mais c'est l'hygiène. Non mais au bout d'un moment, elle peut plus mouiller. La meuf, c'est impossible. 12h30, si, si, vraiment. Arrête. Si, en plus. Ah, si. Moi, je t'ai tombé. Mais vous deux, on va vous engager. Attends, mais attends, tu la baisses. Ça veut dire des fois, tu la baisses 2h30. Attends, et elle, ça deux fois par pas. Jour. Ouais, non, là, y a un très gros problème. Ah, 5 heures de jour, 5 heures par jour, et c'est pas. Mais même ton cardio, il tient pas. Hein. Et c'est pour ça que je mange là. Tu mets des ça prend beaucoup trop de temps. Mais non, mais c'est parce que t'es fatigué. Tu vois, nous, quand on fait l'amour, on va dormir un peu. 2h30. Ah ouais. Même moi, je crois que c'est 3 fois 2h30. 3 fois 2h30, c'est une journée de cours. Bah oui. 2h30, ouais. C'est pour ça que tu rases la maths en formation. C'est pour ça que t'es déscolarisé. T'es déscolarisé. T'es au chantier, frère. T'as pas arrêté sur la baisse. Il a même plus de testostérone. Merde. Bandstar, hein. Bandstar. Je te jure, hein. Bah, gros, moi, je vais être honnête, je sais pas quoi te dire. Hein. Vraiment, franchement. Mais... Moi, je te dis, ça arrive. Et en plus, la meuf, ça lui suffit pas. La meuf, en plus, je te dis, ça lui suffit pas. Les deux, ça va pas, genre. Hein? Les deux, ça leur va pas. Et attends, j'ai une question. T'as fait une réflexion par rapport à ça ou pas? Non, non, m'a pas fait de réflexion. C'est plutôt moi, je suis en mode, en gros, c'est trop et j'arrive pas à lui dire non, tu vois. Gros, après moi je pense que t'exagères quand même. Mais après, il y a un. C'est plus des boules de geisha. Non, 2h30. Attends, 2h30, 2h30. 2h30. 2h30 une fois. 2h30. Non, tu sais, non, je suis là pas les mêmes. Et la deuxième fois, ça dure combien de temps ? Une minute que nous, frère. Ouais, non, dit, ouais. Ouais. Moi, c'est ton. Moi, je dis, c'est du bluff. Et la deuxième fois, combien de temps ? C'est ton sortie fois. 2h30 encore. Ouais, gros. Non, je pense que la deuxième fois, c'est un peu moins long quand même. J'avoue. Tu peux vraiment. Un peu moins, ça dure 1h45. Mais normalement, la deuxième. 90 minutes. C'est plus long que la première. Un peu moins long, mais combien de temps ? J'ai une idée. Pour moi, c'est la case bluff. Ok, cite-moi 3 positions. Vas-y, tu. Ah. Ah. Google. Bah s'il fait l'amour, je sais pas combien de fois. Il y a 10 missionnaires. Ah, ouais, bon ça c'est. Missionnaire, levrette. Ah bref, tu connais quoi. Ah. Regarde la troisième cousin là. Aïe aïe aïe. En plus les deux qu'il a dit c'est. Ouais, c'est trop facile. C'est le B à bas. Ouais, c'est. Surtout que ça fait 2 ans que t'es avec ta meuf et que tu fais l'amour tout le temps 2h30, tu vois. Non, par jour en plus. C'est du bluff. C'est. Démasqué. Les masques tombent. Bluff. 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 Vérité, bluff. Vérité. Bluff. Super bluff. Allez, merci, bonne soirée. Allez, Bibi. Non, t'es un ouf, lui. Il a dit, je m'en fous, on va t'envoyer Joël, tu vois. Vérité. Elle boucle là. Frère, ouais, là, il a le seum. Vérité. Boute pas, frère. T'es le meilleur cousin. Ah, voilà, c'est un ouf. Mais bien essayé. Hein. Il a dit, je m'en fous. Non, mais frère, on s'est pas voyé. T'es un baratineur, toi. Ah, mais gros. Oh. Il est arrivé deux. C'est bon, il est plus là, mais ouais. Elle a vu de ma mère. Il est arrivé. Il a dit. Frère, il est arrivé, il a dit, ouais, j'ai un problème, ma meuf veut que je la baisse plus.
On lui a dit, ouais, vous baisez combien de fois par jour et année? C'est le meilleur. 2h30 x 2, wesh. 5 heures par jour. C'est un Avenger. 5 heures par jour. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Il a fait que d'expliquer. C'est les 3 seigneurs des années. Il a dit, la missionnaire, tu connais. Après, tu connais, quoi. T'as vu comment on l'a démasqué quand même? Non mais le frère, il est fort, mais fort. Moi je vais te dire, je pense qu'il a paniqué parce qu'il a commencé à dire au bout d'une ou deux fois. Et là tu lui as dit, mais non gros, il faut plus que ça. Il a dit, non mais deux fois, 2h30 à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effort, 2h30. 5 heures par jour. C'est un cyborg. C'est un taf. Non mais surtout c'est tout sauf un problème, tu vois. Bah ouais, mais clairement c'est tout sauf un problème. On peut aider d'autres personnes qui ont plus besoin. Je te jure, bah oui. C'est quoi ça? Non mais si vous allez arriver, ça fait 2 ans que t'as la meuf, elle veut te tuer, y'a problème. Et c'est quoi le problème? Ah c'est au chômage. Ah, il a dit je m'en fous, un bébé, un enfant. Bah, je m'en fous alors. Hey, je m'en fous. Non, non, non. Vérité. Ah, on rappelle Team Kameto, hein. Oh, il boule. Ah mince. Ça y est, les traîtres comme ça là. Le coup de couteau. Oh, c'est ça, bon, là, il est bon. Eh hey, mec, t'es bon. Il est plus là, wesh. Ouais. Il est sur le stream. Vas-y, vite, tu nous ramènes un autre. Il est là, il est là. Il est enregistré et tout, frère. Allo. Une nouvelle personne. Allo. Wesh, ça va quoi? C'est à ton tour. Allô. Ouais, c'est un méchant. Il va nous renvoyer un mot, après nous renvoie un mot. Yes. Là, pourquoi, là? Ah, allô. Non, on t'entend, nous. Vous entendez bien? Ouais. On t'entend, ouais, c'est bon. T'inquiète. Des stress. Ça va, tranquille? Ça va, tranquille, moi. Moi, ça va. Vas-y, présente-toi. Ça présente-toi, frérot. C'est qui? Je vais pas bien, alors. Je vais pas bien du tout, même. Vas-y, présente-toi, frérot. Si, tranquille. Bord du précipice. Abdel, je suis Abdel. J'habite dans le 93. Il est dans le 93. C'est le voisin. Yenso. Bah vas-y. Vas-y, présente-nous ton problème, frérot. Bah donc en gros, moi ça fait 4-5 mois je parlais avec une meuf, tu vois, sur Twitter. Je l'ai connue sur Twitter. C'est beaucoup. Ouais, doucement, t'inquiète. Driss fait courser. Ouais. Vas-y, wesh. Elle habite à Paris? Ça, je pense, ça va me plaire. Elle habite à Lyon, tu vois. Et on s'était jamais vu avant. Ça fait 4-5 mois que je parle, tu vois. La ville des plus belles femmes de France. Non, enfin, franchement, non, c'est vrai. À Lyon, il y a de la meuf. Ok. Ah oui, gros. Ah, quand je vois mon frère, les Parisiens, je me dis, ah, ouais. Pense les numéros. Oh, on est numéro 1, mais Lyon, ça va quand même, tu vois. Ah, Lyon, c'est très bien. Ça se débrouille, hein. Champions League, parfait, ouais. Dédicace aux Lyonnaises. Un peu de géographie sur l'émission. Ouais. Vous voulez savoir les meufs qui sont pas bien par ville? Non, ça ira. T'inquiète, continue ton histoire, pas de soucis. En gros, tu vois, elle commence à rentrer dans mon cercle de potes et tout, genre. Du coup, tu vas fréquenter les gens que, tu vois, à qui je parle, moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. À qui tu parles virtuellement, ouais, aussi, ou vraiment? Ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est mes potes IRL, tu vois, mais. Genre, parle virtuellement aussi, tu vois, parce que vas-y, on joue ensemble, tout ça, tu vois. Ok, ah, okay. Ok. La semaine dernière, tu vois, on a décidé de prendre Airbnb, tu vois, genre moi, deux potes à moi et leur meuf, tu vois. Du coup, moi, j'ai ramené, tu vois, la fille en question. Aïe, 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 aïe. C'est la première fois que tu la voyais? Airbnb, ah, si. Quel a été le but de cet Airbnb? Ah, si, c'était le. Aïe, 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 aïe. Voilà quoi, pour décompresser. Faire du sale. Français. Pour parler français, s'il te plaît. Traduction. Pour faire du sexe. Voilà. T'es intimide, toi, je te sens timide, des stress. Vas-y, se passe quoi après, Abdel? Genre, en gros, du coup, tu vois, tous mes potes, ils habitent à côté de chez moi, tu vois. Du coup, on se capte, tout ça. On va la chercher, elle arrive en début d'après-midi. Ouais. Et tu vois, il n'y a pas erreur sur la marchandise, tu vois. Elle est jolie. Tu vois, c'est pas une arnaque, c'est déjà ça. Ouais. Bonne surprise, déjà ça. On avait déjà fait FaceTime, tout ça, tu vois. Ah, t'avais tes arrières. FaceTime, ça ment pas. FaceTime, ça ment pas du tout. T'as contrôlé la cam, les nuggets. Ah, mais bah voilà, exactement. Bon, du coup, continue. Airbnb, tu vois, on pose nos affaires. On sort, on se balade sur Paname, normal. On va grave. On bouge au bowling. Au bowling, ouais. Donc, toi, là, ça se passe grave bien, franchement. L'ambiance, tu vois, elle est bien, tu vois, tout le monde rigole, tu vois, et avec la meuf, on a fait notre premier bisou, tu vois. Ah ouais. Indiscret. Ah, il est mignon, putain. Elle a pris des regards indiscrets. Là, t'avais mis un strike avant ou quoi? Ouais. Elle a kiffé. C'est mon homme. Ah, beau score, mais bon, c'est pas moi. Ah, ok, tranquille. Ça se voit, t'étais heureux, ça se voit, t'avais qu'un bon moment. Il était fier de lui, il était trop bien. Vas-y, du coup, après, il se passe quoi? Moi, j'étais au top de ma forme. Donc, en gros, après, tu vois, le soir, on rentre. Un salon avec tout le monde, ça rigole, tout ça. Et ben, tu vois, après, c'est le soir, tu vois, le moment d'aller au lit et de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire moi, français. Je vais finir, moi, tu vois, mais... Ça veut dire qu'il a ramené une quille du bowling avec lui, gros. Après, accélère, frère. Chambre, tu vois, tout le monde dans sa chambre, on se pose. Nous, on s'était déjà envoyé des nudes, tout ça, tu vois, genre. Et on parlait souvent de sexe, tu vois, donc le terrain était préparé. T'avais envoyé le chibrax. C'est le pire mot de France. Exactement. Ouais.
J'ai l'impression qu'il est en duplex. Frérot, y'a moi que t'accélères un peu. Non mais parle en continu, genre. Tu vois, après je fais des pros. T'as un problème depuis tout à l'heure, ça bouffe. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il met du suspense. Vas-y, vas-y, continue du coup après. Sur le chat, ils se vénèrent, ils ont sommeil, ils accélèrent. T'as MC tout ça, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, c'était pas mal, donc après, moi, tu vois, elle me donne du plaisir, donc je vais lui faire plaisir aussi, tu vois. Normal. J'ai envie de pratiquer, pour la première fois de ma vie, le rim job. Ah. Alors là... Eh, je me suis... T'inquiète, on t'écoute. Est-ce que t'as pris ça? J'avais jamais pratiqué ça avant, tu vois. T'as pris ça ou pas? Ah, attends, c'est... Là, c'est... ça se passe mal après, en fait. Ah, tu vois, ah je commence à... Bravo, Joël. En position, tu vois. Elle se met bien en position. Et là, tu vois, c'est une blanche, tu vois, elle est pâle de peau. Oh non. Et sauf qu'au moment où, tu vois, où je peux rentrer le visage, tu vois, il y a des plaques jaunes, genre marron en mode, elle est pas bien lavée, tout ça, tu vois. Oh non, 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 non. Oh là 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 là. La moutarde. C'est normal, il parle lentement. Il est traumatisé, frère. Harry, se passe quoi? C'est récent, tu vois. C'est récent en plus. Hein. C'était fou ou pas? Duplex. Oh frérot, c'est abusé. Du coup, Joël, j'ai pas entendu. Genre, le truc, c'était quoi? Vas-y, continue, continue, vas-y. Décris-nous. En fait, un direct, t'es mal lavé et tout ça, tu vois. Et du coup, après, je retire ma tête d'un coup, tu vois, parce que ça sentait pas bon, tu vois. Ah, vraiment. Ouais, ils me disent, passe quoi, tout ça, tu vois. Moi, j'ai pas osé lui dire. Faut manger avant cette émission. Ouais. C'est un mauvais délire. Pas ouais, juste avant. C'est genre un pendant, c'est chaud. Reste encore 3 mois avec ouais. Donc tu vois, c'était gênant, frère. Moi, je n'osais pas lui dire et elle voulait, tu vois, passer à l'acte. Du coup, tu vois, moi, il y a pénétration, mais frère, je prends pas de plaisir à ça, tu vois. Arrête de mentir. Toi, non, mais ton zizi, on la connaît, celle-là. Mais tu vois, ça me préoccupe, tu vois, ça me préoccupe. J'y pense, je fais, wesh, c'est bizarre. T'as pas à te préoccuper. Il y avait du caca devant toi, t'as fait ton choix. Maintenant, tu fais le mec qui a des remords, on peut rien y aller. Après, il est resté. Il a dit, il y a eu pénétration. Non, attends, on a les images. Il est parti de l'histoire. Quand il a découvert le trésor, il a fait quoi? Attends. Quand t'as vu les trucs, rigole pas. Quand t'as vu les trucs, là, qu'est-ce que t'as fait après? Quand t'as vu les traces, j'ai retiré ma tête vite, tu vois. T'as quoi? J'ai retiré ta tête. Ouais, oui, il a joué ensuite, il a fait. Oh, ouais. T'as retiré ta tête et qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit genre, il se passe quoi, toi? Parce qu'elle savait que j'allais plonger. Et moi, je voulais pas lui dire, toi. Ah non, là l'erreur. Ah, et après, continue. Pas lui dire, qu'est-ce que c'est une alerte rouge. Mais non. Si. Ouais. Il voulait faire l'amour. Il voulait continuer. Même s'il y avait du caca, c'est pas le caca qui allait le stopper. Malgré ça, vous avez quand même fait l'amour. Ouais. Je suis formel. Et c'était quoi du coup le problème sur les pas prendre une douche de spi, je un peu le cul. C'est que frère, moi, tu vois, ça m'a t'a haïf. Voilà, tu vois. Et j'avais encore 3 jours avec elle, tu vois. Et donc, les 3 jours après, c'était gênant, tu vois. Moi, je sais pas, j'en ai parlé à mon pote, en plus, il me s'est foutu de ma gueule, c'est de pute. Bah ouais, logique, bah ouais. Mais tu fais le sauvage, Toi aussi, t'aurais pu lui dire, si vous êtes dans un Airbnb, dis-lui, il va prendre ta douche, je pense. Ouais, ouais. T'as grillé du caca, et après, frère, il va pas te vanner, frère. Ouais, ouais, pas grillé, non, j'ai pas grillé. Je vais mettre ça dans le boule. Ça, c'est du gel qui nettoie. Mais t'es fou, tu vois. Tu vas le nettoyer. Tu mets sa muqueuse, t'es fou. On a des gants aussi. Alors, c'est bien rouge. Frère, va se faire opérer ou quoi? Il est en train de la stériliser. Non, mais attends, en plus, question vraie, mais sur les 3 jours, elle allait bien à la douche, non? Donc au bout d'un moment, ça allait. Ouais, genre... c'était qu'une mauvaise image. En fait, au début, il était dégoûté, je pense. Et après. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'était pas genre. En fait, c'était des traces plus, tu vois. Que. Putain, que c'est pire. De l'excrément lui-même. Et donc, c'est quoi la finalité du problème? C'est que là, il est dégoûté de lui-même. Elle est partie il y a 3 jours, tu vois. Et là, tu vois, elle continue à me parler de ça. Et moi, ça me préoccupe. Tu vois, la fille en France, je l'aime bien. Mais frère, si elle est sale, tu vois, moi, ça me. J'ai une question. Est-ce que tu l'as retapé plusieurs fois? Allô? Faut répondre. Hein. Faut attendre. Une fois de plus. J'ai répondu, mais ça lag. Une fois de plus, il dit. Bah pourquoi tu fais le mec dégoûté maintenant? Bah ouais. C'était vraiment dégoûté, non, mais... il serait pas reparti. Bah tu serais pas retourné au charbon. Un mec dégoûté, il serait pas retourné. Là, c'est avec du recul. Ah, ça répète, il y avait le cul, ouais. J'ai fait ouais, la dalle. Ouais. Ah, c'est non, pas non, grave, il y a des belles histoires à raconter. Tranquille. Il marche dehors, il se dit oh, il y a un éclair dans sa tête. Une ampoule qui s'allume. Il y a des traces. Attends, je vais appeler Radio Sex. Il y avait de la merde là. Ah ouais. Donc, du coup, en gros, t'es encore dégoûté et t'as peur que si vous vous revoyez, t'as le même problème. Non, c'est pas ça, je pense. Il y a juste le seum d'avoir perdu son innocence. Non, mais grosso modo, ouais, c'est son manque d'hygiène qui te dégoûte et tu veux lui dire d'une certaine manière pour pas réavoir le problème.
Ouais, j'ose pas lui dire, tu vois, parce que frère, c'est cru quand même. C'est vrai que c'est sale de dire à quelqu'un, ouais, tu pues du cul, faudrait que tu ouais, ouais, mais après, bon, après, bon ouais, là, il y a des barres, il disparaît. Moi, si tu vas pas faire le mec méchant, moi, il disparaît. Ouais, ah, j'ai pas dit que c'est pas faisable, j'ai dit ça doit être dur quand même. Ah, oui, bien sûr. Au bout d'un moment. Oh, j'avoue, c'est chaud. Non, moi, je sais pas, tu l'as pas dit sur place direct. En plus, c'est à distance. Dis-lui, en fait, finalement, je le sens pas, je préfère qu'on reste pote. Ouais, voilà. Trouve un sevi. C'est un peu en sevi, c'est la vérité maintenant. De venir à nous. Je trouve un sevi, c'est mieux. Genre. La SNCF, ils ont augmenté les prix, ça coûte cher sa mère. Ouais. Ah, mais c'est elle qui est venue, tu vois, celle qui a pris le billet. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais. C'est qui a pris l'Airbnb? T'as participé dans ce Airbnb. Hein. Voilà. On s'est cotisé. Oui, bien sûr. Pour 6 personnes, ils t'auront encore remboursé, je parie. Putain. Ah, les ripoux, putain. Ouais, hein, ah, continue bah, la vie. Mais ouais, ton innocence, on peut pas te la rendre, frérot. En soi, je l'apprécie, tu vois, mais. Des baisures là, tout est un peu plus gris. Prochaine fois, prends une douche avec elle dans le Airbnb. Ouais, ouais, dis, ça la technique de la douche, ça marche pas. Des trucs sous la douche là, moi ça me plaît l'eau, tu vois. Et... Pourquoi ça me plaît l'eau. Pourquoi là, comme ça, il est sûr qu'il n'y a pas de, ouais, de traces. Ouais, c'est ça. Et au pire, s'il ouvre, il lave direct quoi. Vous voilà, faites l'amour avec les meufs dans les douches. Moi j'aime pas. Moi j'ai peur de glisser. Moi j'aime pas. Moi ça dis juste, fais une douche. Ah ouais, dans la douche. Ouais, c'est calme. Ah non, j'aime pas le contact de l'eau. Ah ouais, c'est vrai que debout, c'est. Ah non, j'aime pas. Ouais, mais non, ça c'est des trucs de films porno, tu vois. Il y a les coupures. En vrai, là, il faut que toi, tu enjambes le truc. Non, ouais, mais ça dépend de la douche. Ça dépend de la douche. Moi, je parle genre des douches. Moi, j'ai des douches baignoires. Moi, j'ai des douches italiennes. Ah, mais vous êtes riche, italienne. T'es malade. Moi, il y a une baignoire en bas. C'est des douches avec une large grande. Léonard de Vinci, frère. Moi, je te parle des douches genre à l'américaine. C'est grande. Vous êtes vous deux debout. Moi, je te parle, t'es une baignoire. Ah non, 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 non. On parle de quoi là? T'as les rideaux qui te collent. Baignoire entre nous, gros, je fais plus de 100 kilos, gros, c'est impraticable. Ouais, ouais, d'accord. Sinon, tu dois mettre des trucs bizarres en bas, mais après, c'est plus glamour. Bon, déjà, moi, je suis dans la baignoire comme ça, j'essaie d'écarter les cuisses, ma meuf, elle veut se placer. Elle se met au début des genoux, y a pas la place. Le Père Noël, gros. La baignoire, elle est pas à mes dimensions. On l'a zappé. Allô? Ouais. Vas-y, frérot. Ça se perd trop, ça se perd trop. Des dédicaces, frérot? Ah, vas-y, je passe des dédicaces. Dédicaces à Nassim, c'est lui qui m'a insulté. Qui est foutu de ma gueule. C'est Nassim. Dédicaces aux fesses propres. Carnage. Ouais. Dédicaces à Carnage. Dédicaces à Carnage. Ah, encore lui. Hein. Dédicaces à Carnage. Encore moi, tu fumes. Vas-y, salut, frérot. Vas-y, frérot, bonne soirée. Hein. Vas-y, go. Bon courage. Vas-y, frérot. Ah ouais, ça marche bien, bon courage. C'est lourd. Ouais. Faut le garder celui-là. Hein. Bon courage. Bon courage. Au final, j'ai pas compris le problème, on a pas donné de solution. La solution, c'est se laver. Ouais. Après, ouais, ça, des fois, tu sais, c'est simple. Ah, là, c'est simple, tu vois. Moi, j'avoue, en fait, c'est simple. Voilà, faut pas tortiller du cul. C'est un gros problème, là, en soi. De toute façon, il est reparti, donc. Ouais, c'est ça. Déjà, tu vois ça, c'est chelou, tu vois ça, normalement il y a un time out. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il l'a appelé en mode il veut partager le truc pour se sentir allégé. En mode, il avait trop payé le Airbnb et tout. Ouais, il fallait rentabiliser. Il est rapide en fait de parler. La balade, elle a coûté cher. Du coup, Bibi, vas-y, tu ramènes aussi voir. Il y a de la merde, mon frère, putain. T'es relou. J'ai mis une couche dans la fesse. Arrête, tu vas rien faire. Non, je rigole, ma parole, je serais chamboulé. Oh là là, les frères, on est 60 000. Aïe. Ça, c'est pour ça que c'est relou de temps en temps quand tu chopes une meuf en soirée, parce que tu la ramènes à 5h du matin, elle a dansé toute la nuit, elle a pu tout ça, ouais, gros. Comme ça, c'est mauvais délire. En général, les meufs que tu ramènes en fin de soirée, t'as une fois ça sur deux ou... T'as chené que ça sent le poisson pané. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas voulu accepter la défaite. Vraiment, tu vois, les meufs quand de fin de soirée. Quand tu ramènes la meuf de fin de soirée, c'est parce que t'as pas voulu accepter la défaite. C'est une victoire en soi, non? Mais non, tu trouves ta meuf, tu vas pas danser 8 ans avec elle, c'est bon. Vous bougez à autre part. Peut-être que t'aimes bien la soirée, t'as peut-être pas envie d'entrer à 1h30 du mat, non? Bah t'as peut-être pas envie de baiser une meuf fraîche alors. C'est pour ça vient de là le fraîche en fait. C'est pas juste belle, c'est aussi fraîche. Non, j'entends. C'est le côté poivre de Zach qui va encore boire jusqu'à 4h du matin. C'est ça, ouais. Problématique. Docteur Beauf. Ouais, je trouve ta meuf pas. Ah, là, il boit encore. Si on se connaît pas, mais hein, je te tire. Et puis on va baiser. Attends. Vas-y, non. Après, il se retrouve devant, il fait mais c'est quoi ça et tout, il se prend, quoi. Ah, ouf. Ouais, c'est ça, en plus, je fais le duc. Il y avait pas Kameto qui avait dit qu'il allait manger des criquets?
Si, t'inquiète, on viendra après. T'inquiète, ils sont là, les critères. Bon, moi, après la pause. Si j'en mange un, tout le monde en mange. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde en mange. Je ne pas ça, moi. Ouais, tout le monde en mange. Tout le monde en mange. Vous vous faites des cuits, vous n'êtes pas mangé. Je te jure. Moi, je ne touche pas au criquet. En plus, j'ai l'estomac fragile. C'est comme un chip, c'est comme un chip. En plus, ils ont dit ça pique. C'est la paprika, c'est la paprika. Ça a l'air horrible, ton truc. Non, non, regarde. Vite, ma mère, je mets pas ça dans ma bouche maintenant. Non, 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 non. Ça sent fort. On peut pas les manger, Kamel. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, c'est. Ils ont encore. Comment on peut leur montrer ça? Il y a des caméras là. Va devant la caméra de devant. Ici, des caméras. Mais attends, ils voient rien. On voit rien. Mets celle là-bas. Je vais mettre mon flash. À ta place, il a à ta place, il va zoomer, t'inquiète. T'inquiète, il va zoomer. Aïe, aïe, aïe. On est à Webedia. Mais sérieux? Ah ouais. Les caméras 4K, ils sont là. Un zoom. Mais moi, je goûte pas ton truc. Jimmy. Si, si, j'ai goûte, tout le monde goûte. C'est la cohésion d'équipe, frère. J'ai la okay. Jimmy. Non, tout le monde y passe, tout le monde y passe. Tout le monde y passe, on est obligé. Il peut pas, frère. Ah, c'est dégueulasse. Après, c'est l'invité, mais vas-y, toi. Il y a le phobie des insectes. Ça se mange en entier? Non, non, mais je. Ouais, tu manges tout. Tu manges même les ailes. Cafard? Même la tête et tout. C'est ah, tu le manges, ça y est, c'est parti là! Il a tué ça! Ouais, vas-y! Il a mangé, tu as déjà mangé? Bien sûr, gros! Vas-y, on voit! Oh là là, ça coûte. Moi, des fois, je suis sur Netflix au calme! Et tu manges des criquets? J'ai mon petit bol de criquets là! Mais c'est normal, hein! Mais non! Le goût, il est normal! Comment ça, c'est normal? Elle arrive, je dis, bon. Rigole! Je vous jure que c'est bon! Petit bol de lombric! Non, attends! Je vous jure que c'est énervé! Non, mais c'est horrible! Je te jure, c'est énervé! Il refait les ciseaux pour savoir qui mange! Arrête, ça a du goût! Je te jure que c'est énervé, c'est bon! Non, c'est bon même! Non! Vas-y, t'es prêt? Non, je suis sûr que c'est bon. Vas-y. Y'a même pas moi, je pensais qu'il y avait une texture dégueu, mais c'est bon. Fais ciseaux. C'est pas B1, c'est toi, frère. Hein? C'est pas assez. C'est en deux points. Non, tu sais comment je marche. C'est un menteur. Il essaye de couiller. Voilà, je suis le démon, frère. Ça fait longtemps. À chaque fois, je gagne. Ouais, c'est bon. Mais vous allez voir, c'est bon. Vous allez voir, c'est bon. Carlin sur Carlin. Ou boire un peu de tu sais, tropico. C'est un ouf, je mange pas ça. Non, je te jure que c'est bon. C'est Kota qui dit que c'est bon. Guette son œil et tout. Non, c'est des insectes. Je te jure que c'est bon. Ils sont séchés. Mais toi aussi. Tu pouvais ramener des trucs. Non, mange avec moi. Non, non, on fait moitié-moitié, frère. Non, bah, prends la première moitié. Mais je sais même pas comment le toucher, frère. C'est dégueulasse. Bien sûr, frère. Non, moi, le pire truc que j'ai fait, c'est comme un chips. C'est dégueulasse. C'est comme une chips. Non, c'est chaud. Non, je vous jure que c'est bon. Vas-y, goûtez, s'il vous plaît. Joël, hein. Mais goûtez. J'ai mangé, c'est kangourou. Vous êtes des baisers. Mais je vous jure que c'est bon. C'est bon à la mort, frère. Attends, il a bouffé du kangourou. Vous mangez du kangourou, tu manges pas ça. C'est vrai, ils ont dit quoi? Ça pique, mais moi, kangourou, c'est frère, c'est présenté comme dans un steak. Un steak. Tu veux ramener des vers de terre? Ah, t'as plus toi aussi. Mais je te jure, vers de terre, c'est mieux. Je te jure, Kamel goûte. Juste un petit morceau, limite. Moi, tu goûtes, je goûte. Franchement, c'est dur. Mais écoute, Zach, toi aussi, non? Non, moi je touche pas. C'est pas facile. Il y a dire. Allez, on va le faire, vous êtes 60 000. En toute la France. Allez, Kamel. Oh, t'es un bébé. Il va se resservir, tu vas voir. Non, je vais pas m'en servir. Bah, c'est bon. Enfin, c'est pas dégueu. T'as dû tout goûter. Mais attends, mais ton débrief avant. Débrief, ouais. Oh, déjà, tu manges un bout de terre, mais pas le goût de la terre. Non, ouais, c'est bon. C'est un menteur. T'as un goût bizarre. Je sais pas comment décrire. Ah putain, il y a son corps et c'est tout. Pas dégueulasse. Non mais j'ai pas. Non mais ça se mange pas. Eh, j'ai pas pris les meilleurs d'habitude, il y a une autre marque là, c'est de la frappe. Là, j'ai pris des trucs je les avais laissés chez moi. Ah ouais. Non mais ils ont blindé ça au paprika, sinon je te jure que heureusement je sens que le paprika, frère. Alors, eh, mais pas lui. Eh, vas-y, mange. Non. Arrêtez là. Non, s'ils veulent pas, ils vont pas, ça se voit. C'est horrible. Putain, c'est de la frappe ça, moi j'aime bien tester les trucs là. Regarde la frappe. Eh, regarde. Les criquets, j'en mange deux. J'ai mangé, faut manger. On a envie de vomir, à savoir que c'est des insectes. Ah, y'a pas du coca? Bah ouais. C'est dégueu. Mais non, en fait, c'est quand un insecte, frère. Ah, c'est chaud. Ah oui. Ah, du coca? Il y en a un fou. Nous, on a mangé des insectes. Bon, du coup, en fait, c'est le next. Comment ça, go next? Go next pour les criquets? Non, pour. Ah, vous aussi, en vrai, vous devez goûter. Vous devez goûter. Bah, t'es un invité, toi. T'es un invité. Mange ça. Non, vous devez goûter. Mange, gros, moi, j'ai des insectes. Et puis, il me reste encore dans les molaires, j'ai à manger. C'est pas top chef, là. Eh, faites-moi plaisir. Eh, il a ramené et tout. Il a ramené, on a fait. Eh, faites le geste. Goûte pas. Non, arrête, viens me. T'abuses. Eh, producteur, c'est vrai, il t'abuse. Tu goûtes, c'est juste goûte, un petit morceau. Et on a IRL là. Zach Nani, c'est une tapette. Vas-y. On a IRL là. Voilà. Allez. Oh la vie de ma mère. T'inquiète, ah, mange. C'est dégueulasse. Si, t'inquiète. Il va manger la tête. L'aile, c'est horrible. Non, c'est le corps le pire. Il y a du caca dedans. Yes. Regardez sa tête. Ah, il mange des criquets.
Elle va me sortir avec les études. Hein. Oh, il a craché. Non, voilà. Oh, t'abuses. Oh, il a Bac plus 5. Macron, vous voyez ce qu'on aurait dû à faire. La putain de vos mères. Eh, ça, c'est. Ignoble. Prod, c'est bourré de prod. C'est comme. Ignoble. Le reste ignoble. Je ne peux jamais goûter ça. C'est horrible. Eh, mange. C'est horrible. Mais en fait, c'est. Non, broken, ça va. Ça va. C'est quoi le pire? C'est la texture des ailes. Ouais, c'est ça. C'est, ce que c'est horrible. Ce que je disais, les ailes, c'est. J'imagine. Après, il y a un arrière-goût de verdure comme j'ai ça. Parce que quand je regardais le Roi Lion quand j'étais petit. Non, mais t'as vu une scène. Pumba et Timon, ils mangent des insectes. C'est là, je trouve. Ouais, ouais, super, super. Alors, on peut passer au next. Plus tard, faut que je graille des insectes. Y'a pas de pub. Si, après, il y a une pub. Si, t'inquiète, dans 20 minutes. Des insectes comme tu veux. Eh, ça va, j'ai essayé au moins. Comment ça, on fait de la pub pour ces fous là? Ouais, il y a la. Prochain client, il est là. Allez, vas-y, vas-y. On voit. Je t'ai marqué. Voilà. Sinon, tu changes, non? Ouais, je ouais. C'est bon. Ah ouais. Enlève. On fait les criquets, c'est bon. Je te jure, là, mais il est là, tu fais la pub, là. Il a ramené de quoi couvrir les marques. Ah ouais, frère, les marques voulaient venir, vous savez. De mytho, t'as fait la moustache. Venez en DR, venez par mail. J'étais obligé, j'ai goûté, c'est à votre tour. Ah, c'est bon. Bonsoir. Ouais, c'est toi. Ils ont dit qu'il fallait enlever les ailes, gros. Ouais, c'est toi. Ah ouais? Oh, t'es un bâtard. Ah bah moi j'adore les ailes. Attends, il a pas lu. J'ai demandé, hein. Ouais, c'est pour que vous lui mangez. Anna écrit, vous pouvez déguster vos criquets entiers ou ailes et tête retirée. En gros, soit tu manges tout d'un coup, soit tu fais un mix. Ouais, bah voilà, voilà, c'était horrible. Bonsoir. 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 Hello. 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 On va parler de criquets. What's up? En anglais. Tu vas bien? Reste pas. Ça va bien, merci. Ouais, je suis un peu stressée, mais... T'inquiète, y'a pas de problème. On a juste mange des criquets. Okay. Mange des cafards. Quelle horreur. Présente-toi. Un jour, je vais ramener. Hein. Non, arrête, c'est bon. Non, c'est bon. Tu peux te présenter? Alors, je veux pas donner trop de détails, mais j'habite dans le sud. Ouais, enfin, vers le sud. Et je n'ai pas de zizi. Aïe, aïe, et t'as quel âge à peu près? Une fourchette d'âge? J'ai à peu près la vingtaine. Ok. D'accord. Parfait, bah ça nous suffit, vas-y, explique-nous ton problème. Ok, alors, faut dire que j'ai un plan de cul, et il a plus de 10 ans de plus que moi, voilà, oui. Déjà à peu près. Et en fait, après qu'on ait couché une fois, il m'a demandé de garder ses enfants. Oh. Ah ouais. Le petit Wilfried. Le petit Timothée. Le culot. Oh, non, c'est culotté quand même. Ça. Oh, il rentabilise. Ah ouais, t'es son nounou. Le nouveau boss de Paname. Il est encore marié ou pas, lui? C'est comme ça que j'ai appris qu'il était marié, du coup. Surprise. Attends, il a combien d'enfants? Il en a deux. Ils sont grands? Je crois qu'il y a la première à 6 ans. Ah ouais. Et il t'a présenté en tant que... C'est une vraie corvée, en fait. C'est vraiment chiant. Ouais. T'as dû garder la petite Coralie. Non, justement, il m'a proposé, il m'a dit, ouais, tu peux garder les petits, et tout, et en fait, le souci, c'est que... en fait, j'ai envie de me détacher, tu vois, déjà dans un premier temps, pour ça, parce que, déjà, il est marié. Ah, il est encore marié. J'ai pas trop de base, ouais. Ça me gêne pas trop de base, parce que je sais qu'il aime sa femme, tu vois, je sais qu'il aura rien, etc. Et le problème, c'est que, tu vois, il me demande de payer l'hôtel, etc. Et du coup, de lui lécher l'anus. Ah ouais. Eh, mais lui, il contrôle le rentrer, lui. Hein. Elle est passée de payer l'hôtel à lécher l'anus. Sans transition. C'est le retour du boss de Paname. Ah ouais. Oh, le crack. Oh, le crack. Et c'est elle qui garde ses enfants. Attends, c'est toi qui paye l'hôtel. Non, tu payes l'hôtel. J'ai pas gardé. Et l'hôtel, tu l'as payé? L'hôtel, tu l'as payé? C'est toi qui as payé l'hôtel. C'est un daron. Ça te coûte la thune, t'as appris que du coup il trompait sa femme. Il parle avec mal. Toi via les gars. Bah ouais, il est. Tu lui fais chaud. Il parle mal. Il lui a dit, ouais, ça te durait de garder les petits. Ah, c'est un maître Jedi. En plus, il est encore marié. Très bon. C'est un peu Théo et Coralie là, ils ont besoin de rester. Mais toi, du coup, tu veux faire quoi? Et en fait, je suis pas ma genre de mèche. Le souci, c'est que en fait, il a des vidéos de moi, quoi. Comment? De quoi? Il a quoi? On l'a pas bien entendu. Il a des vidéos de moi, Ah, il a des vidéos de... Non, il t'a pas menacé quand même. Il t'a pas menacé. Il t'a rien dit. Il a des vidéos... Non, justement, il m'a pas menacé, mais tu vois, j'ai peur que... J'ai peur de ce qui va arriver si je lui dis que voilà, ah, que ouais. Je veux plus, etc. Parce que c'est un peu un gamin, tu vois, malgré qu'il est 10 ans plus que moi. Mais Après, il a des vidéos de toi, mais toi, t'as un truc encore plus fort. Toi, te quand que... Il est marié.
Ouais, mais en fait, il peut jamais vraiment, tu vois, te faire un chantage, parce que si on regarde la situation telle qu'elle est, même s'il a des vidéos de toi, en soi, c'est toi qui as l'avantage, vu que tu sais qu'il est marié, tu peux niquer son mariage. Il est marié, il a des enfants. Il a aucun intérêt, même si tu le quittes, d'aller t'afficher, tu vois. Et en plus, c'est dangereux, parce que s'il t'affiche, c'est vraiment dur pour lui, pénalement, les pays comme ça. Ouais, mais en fait, des trucs, c'est que je connaissais pas, et tout, il m'a été présenté et tout par rapport au même truc et tout. Quoi ? C'est pas précis, ça. En fait, il doit pas avoir trop peur, en fait, parce que je connais ses potes. Enfin, il les a présentés et tout pendant un plan, etc. Ouais. Ouais, mais sa femme. Ses potes, c'est. J'ai pas compris pourquoi tu lui dis. C'est Berry, c'est qui, ouais. Non, mais il y a sa femme, ouais, sa famille et tout, quoi. C'est vrai, gros. Nous a dit ça. C'est qui, c'est quoi, ses potes ? C'est Yvan. C'est la mafia. Non, mais en gros, elle a dit. C'est la mafia, pas peur de se faire griller, tu vois. C'est la mafia. C'est la mafia. On reste avec lui. Attendez, parle pas. T'as dit quoi ? Non, je veux dire, c'est que justement, il doit pas avoir trop peur, quoi, que du fait qu'il trompe sa femme, etc. Ah, c'est vrai, ah, ouais. C'est assez pote. Après, ah, mais... vraiment, ce genre de gars, il a dû dire un truc. Ouais, je vais vous montrer. Bon. Non, mais en plus, ce fou, ouais. Il a dit, ouais, tu vois, genre, imagine si elle avait accepté de garder ses enfants. Le petit Mathéo. Le petit maman, c'était non. Qui la fille C'est quoi, j'ai pas compris, ses potes. Bon, ouais, ses potes, ils sont au courant, donc il a pas peur de se faire griller par ses potes. Quoi. Mais il y a sa femme et sa famille, tu vois. Ouais, c'est ça le plus important. Bah ouais. Ses potes s'en foutent, ils diront jamais. Ouais, ils vont jamais rien dire. Donc, du coup, ouais, t'as peur. En gros, tu veux. Dans les vidéos, on le voit lui. Dans les vidéos, on le voit lui ou il y a que toi. Non, dans le vidéo, on voit que moi. Ah ouais, toi aussi. Ça, c'est pas... Ah ouais. Noé Bruno. C'est pas conseillé, ça. Surtout sur un que t'es pas, c'est pas fiable, tu vois. Au pire, je supprime les vidéos, hein, prochaine fois que tu... Mais il va pas lui laisser son téléphone ou son PC. Ouais, ouais, en plus, c'est des mecs vicieux comme ça. Ils font partout des vidéos. Mais est-ce qu'il a vraiment que ça c'est à faire? C'est lui qui t'a dit, genre... Il l'a fait plusieurs fois ou juste une fois? Ou c'est toi qui crains le truc, quoi? Bah, moi, je crains. Et je sais qu'en fait, il parle à d'autres filles aussi. Moi, je mets, c'est le pompon, ça. Ah ouais, mais lui, frère, c'est un gangster. C'est un gangster, il fait ce qu'il veut. C'est pas un gangster, il paye même pas l'hôtel, frère. Bah, juste un gangster, ça, c'est négocié, gros. Mais non. C'est un businessman. Il fait comme un Yankee, tu sais. C'est un ouf, lui. Ouais, c'est pas être un gangster. Ça, c'est pour Radio Police, hein, c'est. Tu penses que c'est une bonne chose de rester attaché à lui? Parce que là, pour l'instant, t'as l'air. Non, du tout, franchement, je suis pas attaché. Mais elle a peur que si elle se détache, c'est ça qui pop, quoi. Après, comme on t'a dit, en soi, t'as l'avantage quoi. Vis-à-vis du fait que tu sais qu'il est marié. Donc, en fait, lui, il aura jamais aucun intérêt de t'afficher, tu vois. Mm. Donc, en fait, il le fera pas. En vrai, si tu le lâches, il fera jamais rien. Moi, je pense que tu devrais le sortir. Ouais, en plus, il parle à d'autres meufs, donc. Il irait juste parler aux autres meufs. Ouais, c'est méchant, mais ouais, tu seras vite remplacé. Ouais, je pense que c'est ça. S'il a pas de temps. Moi, je pense que je fais ça. Hein. Faire quoi? Arrête de parler, c'est tout. Il affichera jamais les vidéos parce qu'il y a son mariage qui tient. Après, s'il affiche les vidéos, tu te rappelles, Zach Nani. Zach Nani. Zach Nani, s'il affiche. Après, ça peut partir loin. S'il affiche, c'est police, c'est justice et tout. Surtout, comme t'as dit, le fait, comme l'a dit Broken, le fait qu'il parle à d'autres meufs, il te remplacera et puis c'est tout. De quoi ils vont faire? Qu'est-ce qui se passe s'il sort les vidéos? Ça fait quoi? Bah, frère. En fait, elle a la peur qu'il mette les vidéos. Il y a des lois pour ça. La police, il y a des lois. Ça, c'est dangereux, ça. Ça rigole pas. De toute façon, faut être un gros fils de pute pour afficher un genre que ce soit nude ou vidéo il y a que les fils de pute ça trahit la confiance quoi. Ouais, ça c'est bien sûr. T'imagines genre une meuf ou un gars il te donne assez de confiance pour te montrer son corps tout ça essayer de te faire plaisir et toi tu l'affiches. Ça c'est vraiment un truc de bêta mail, truc de gamin de mais c'est cool bêta mail hein. Bon bref, pour nous en revenir, non t'inquiète, je pense pas qu'il le fera. Ouais, il le fera pas. Sinon, s'il le fait, il va se prendre une plainte, la justice, plus un divorce. Le mec, il aura perdu plusieurs fois. Il s'en bat les couilles. Il a rien à gagner à faire ça, la fille, franchement. Donc, et en plus, ce sera plus simple pour toi de le quitter. De toute façon, tu verras quand tu vas lui dire bah, on arrête et tout, il va te répondre, tu vois. Enfin, il va te dire s'il y a un truc ou quoi. Ouais, je crois. Si un jour il y a un problème, tu peux aussi contacter Uber Bagarre. Uber, je manquerai pas. Bon, bah écoute, bon courage. Hein. Ouais. Ouais. Si jamais quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler à Ouais, parle-en direct. Ouais, perds pas de temps. N'aie pas peur. Comme ça, c'est sérieux, quoi. Merci. Et du coup, juste dédicace à Renzouz. Et à la présélection, je crois. La colonie de vacances. La présélection qui ont fait un gros travail pour ce soir. Très sympa. Bravo. Grateful. Amazing. Grâce trop d'efficace. Ça m'énerve. Il veut toute la lumière. Le daron, là. C'est un ouf. Il avait quel âge?
Il a pas de plus de 30 ans. Trentaine. Putain de merde, des mecs, ils ont des cheveux gris là. C'est un vrai sel. T'as même pas payé l'hôtel. T'es un bâtard. Hein. Ah ouais. Mais c'est... Hey, j'ai pas 30 ans. J'ai pas 30 ans encore. T'as 31. Non, non, ce que tu dis sur la crête des meufs, on ira en DM. Ah, c'est vrai que t'as 30 ans. Je peux pas te parler. Déjà, alors. Il a dit ça qui est beau. Ouais, mais c'était sûr ça. Mais genre, c'est normal. C'est vrai que c'était pas un secret. Ah ouais. Ah, c'était pas un secret. Ah non, mon frère, je aïe aïe aïe. Hey, suivant, suivant. Localisé comme Kamel. Localisé comme Kamel. Ah, je suis mort. Vas-y, fraîche. Suivant. Et de toute façon, tous les mecs ici, là, lui, t'as des meufs en DM. Tout le monde. Toi, tu dois avoir des rintés, toi. Ah, mais lui, il est millionnaire, frère. Ah, Broken, il t'a des autres. Rintés de fou. Broken, d'ailleurs, t'as une histoire ou pas pour nous? Ah. Moi ouais, sauvé par ouais, le gong. Après, il faudrait que tu nous rappelles. Sauvé par le gong. Save by the bear. T'inquiète pas. Allo, allo. Allo. Ouais. Salut. Ça va ou quoi, frérot? Salut, salut. Ça va? Ça va? Ça va l'équipe? Bien, ouais, ouais, ouais. Ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Des stress. Il est là toutes les semaines. Ça va l'équipe? Stress. Ça va, tranquille, tranquille, frérot. On est poli, hein? Ouais, ouais, c'est vrai. T'es, je t'es un bon. Entendu. Détends-toi, mon pote. T'es un bon, t'es un bon. Y'a pas de problème. Mais moi, des fois, je suis de bonne main. Vas-y, frérot, petite présentation. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Bon, j'ai un blast codé, tu vois. Gaspard Dugard, voilà. Tu pensais, voilà. C'est dit. Ok. Gaspard Dugard, voilà, bon, le Gard, c'est à côté de ans, côté du Rhône. Terminal ES. Ah, ok, je pensais que c'était un blast. Okay. 17 ans. Ok. Ouais. 17 ans, voilà. Terminal ES. Bon. Un rookie. Aïe, aïe, aïe. Zizi qui fréti. Alors, voilà, donc le truc, c'est que. Il n'y a pas si longtemps, genre de ma seconde à ma terminale, justement, j'étais un peu libertin sur les bords. C'est-à-dire que je me casais avec personne. Ouais. Voilà. Ok. Et sauf que cette année, tu vois, pendant une soirée, j'ai croisé une meuf et cette fois-ci, ça a matché, tu vois. Et du coup, ouais, on s'est mis ensemble. Mm-hmm. Voilà, jusque-là, bon, pas de soucis. Et donc, voilà. Il n'y a pas si longtemps, c'était la Saint-Valentin et c'était ma toute première Saint-Valentin, tu vois. Genre en couple et tout. Ouais, voilà. Genre, donc, du coup, j'ai voulu faire ça bien. Genre, faut savoir qu'avant, bah, on baisait tranquille. Voilà, c'est. On baisait tranquille. On baisait tranquille. Tu vois. Bon, voilà, c'est tranquille. Hein, je jouissais, elle jouissait, normal. Bon, tout va bien. Putain, c'est bon, on n'y arrive pas. Job done. Bravo. Non, mais voilà. Donc, on arrive à la Saint-Valentin, tu vois. Merci, merci. Il parle pas comme un politique. Malik Benkala. C'est un crack. Pas pour niaiser. Hein. Donc, en tout cas, allez. Il est là. Du coup, je fais ça bien, je fais ça propre, normal. Et je me dis, là, je vais tout donner. Je vais tout donner, Yes. Et donc. Game disponible. Donc, normal, hein, on fait le repas, etc. Et puis là, on passe aux choses sérieuses. Tu vois, en vietnamien, on fait des trucs et en français, on baise. Normal. C'est pas un match chaud. Ting, tang, tang. Je fais quoi avec ça, toi? Il est chaud de fou. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça sert à quoi après? Histoire électrique. Donc là, je me dis, ah là là, je vais tout donner. Sauf qu'il y a un problème. Elle prend pas de plaisir. Du coup. Holy shit, dude. Je suis là. Comment tu sais qu'elle prenait pas de plaisir? Bah, il est d'habitude, elle fait des trucs. Je sais pas, enfin, on faisait des positions normales. Juste, bah, là, elle prenait pas son pied. Du coup. Ouais, mais comment tu le sais, toi? Bah, ça se voyait, tu vois. Elle jouissait pas, elle criait pas. Bah, non, c'est là où tu te trompes. Parce qu'il y a des meufs, quand tu fais des trucs avec, elles font pas de bruit. Ouais, non, mais il avait l'habitude. Il avait l'habitude. C'est sa meuf. Ah ouais, ah, je c'est pas lui qui parle, c'est le fouet. Laissez-le. Désolé, hein. Non, et voilà, finalement je me pose et je lui dis bah qu'est-ce qui va pas? Et là elle me dit, tu sais quoi, j'ai envie de prendre les menottes, enfin prendre les commandes, pardon, pas les menottes. Ouais. Le lapsus. Et elle me dit, vas-y, mets-toi à quatre pattes. Et là, oh, et là, ça va peut-être être très mets deux doigts dans le fion. Comme ça, la sensommation. Mais je leur ai mis surprise dans ces moments. Parti. Sans sommation, comme ça. Touché rectal. Ah, comme c'est... ça, ouais, j'étais parfait. Elle s'est dit, c'est à Saint-Valentin. La flèche. C'est Kakashi. Elle a amélioré la technique, c'est plus Kakashi. Avec... Ah ouais. Putain. Et je te parle de ça, et c'était il y a quoi, il y a trois semaines. Ouais, il y a trois semaines, hein, comme ça. Et le truc, c'est qu'encore, ça aurait pu se passer normalement.
mais c'est resté coincé. Quoi ? Quoi ? Oh misère. Elle avait des bagues ? Il a un anus mouvant. J'ai eu une déchirure. Comment ça s'est passé ? Mais en tout cas, je sais que j'étais très très mal. Je pense qu'il s'est crispé. Genre elle avait le doigt. Ouais, je pense que c'est crispé. Bam, c'est pas prêt. C'est-à-dire que c'est ça, je voulais pas te fermer ses doigts. La sécurité. Ils sont serrés, genre. Comme le lapin dans le métro. T'es calé comme ça. C'est vraiment ça. C'est impossible de rester coincé avec deux doigts. Ouais, t'as kiffé ou pas? Non, frère, j'ai pas kiffé. Non, mais y'a pas de problème, hein. Elle aussi, c'est une brute, même pas, elle met petite phalange. Elle est deux doigts. Mais non, mais attends. Déjà, quand elle t'a dit, mets-toi à quatre pattes, tu t'es dit quoi en fait? Elle t'a mis à quatre pattes, elle était derrière toi. Fallait qu'il le capte rapide. Il y a un monde dans tout ça. C'est louche. Tu vois, je me suis laissé tenter, tu vois. Mais tu sais qu'on a qu'un trou. J'ai pas cherché à réfléchir, c'était dans l'excitation, tu vois ce que je veux dire. Attends, comment ça tu t'es laissé tenter? Mais t'as dit, elle te l'a mis direct. Bah, mais genre, moi je suis assez libre, tu vois aussi. Ouais, c'est juste tester quoi. Ah, tu t'es. Ah ouais, dans l'idée, ça te dérangeait pas. Ah, ok. Ouais, dans l'idée, ça me dérangeait pas. Mais okay. Tranquille, elle a fait ça par surprise et surtout, c'est resté coincé, c'est ça le pire. C'est ça en fait que là où ça s'aggrave le truc. C'est en mode. Rester coincé et... Ouais, vas-y. Ouais, bah, je sais pas comment. Combien de temps ça, mais ton fion, c'est un vortex, wesh. Comment ça, elle va se coincer? Comment ça, elle va se coincer? C'est un trou noir. Combien de temps? Mais frère, je sais pas, genre, elle avait ses deux doigts, moi j'étais là, j'étais ah. Ouais, mais combien de temps ça? Combien de temps c'est? Ah, combien de temps? Combien de temps c'est resté coincé? En vrai, ça a duré genre entre 10 minutes et un quart d'heure, quand même. Elle était là avec deux doigts. Elle était comme ça. Elle était en train de braquer son cul. Elle était comme ça. C'est un mannequin challenge. En tout cas, moi, ça va. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. Compréhensible. 2h30. T'as un truc dans les fesses, mon frère. Ah ouais. Ça. Et comment vous avez décoincé? Du savon? En fait, on était la méditation, bro. La méditation. Comment? On était chez sa daronne, tu vois. Ouais. Et il y avait son frère à côté, elle a un grand frère. Non, attends, mais attends, tu marchais avec elle qui... Non, c'est impossible, c'est human centipede. Non, on lui a demandé pas, c'est le gel. J'étais des fiers, moi. Non, je sais pas, on était là, on a gueulé, tu vois, Comme quand t'as plus de PQ. Ils ont entrouvert la porte. Ils ont entrouvert la porte quand t'as plus de PQ, genre. Voilà, c'est ça, tu vois, genre, c'était ça, c'était chaud, hein. Ah, c'est abusé. Ouais, je t'ai dit quoi? Ouais, grand frère, j'ai voulu enculer mon copain, ça s'est mal passé. Voilà, bon. Il a posé des questions après. C'est gênant, tu vois. Surtout après, bon, le repas de famille, parce que je dormais ici, tu vois. Enfin, je dormais chez elle. Ah ouais, t'as grave. Mais c'est quoi ça? C'est quoi là? C'est. On y va, hein. 2019, je te fais enculer chez eux, tu vas se coincer, c'est pas grave. On est où là? Ah, c'était chaud. Mais. C'est stylé sa région, moi. C'est incroyable. Tu dis notre famille après, pépère. Complexe. Et depuis cette petite altercation, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Et je suis en jet. On n'arrive plus à le faire, tu vois. Ah ouais, genre vous y arrivez plus du tout? Ah ouais, non, genre ça veut pas venir. Ah, étonnant. Ça vient pas. La source ne monte pas. Je comprends pas, ils n'arrivent plus à coucher ensemble. Oh bah c'est dur. Hein. Ah non, j'arrive plus. Moi j'arrive plus à la regarder dans les blancs. Moi j'arriverai plus à la regarder dans le blanc des yeux, gros. Bah non, parce que lui il a dit il s'en fout. C'est un peu ça, mais. Lui il a dit il s'en fout. Il était ouvert au test, lui. Non, mais oui, bien sûr, à la base. C'est ce qu'elle a mal fait. Avec le truc qui s'est mal passé, moi perso, je pourrais même plus la regarder. Mais déjà. Moi je pense qu'à son frère là. Je me sentirais mais mal. Après, ouais, mais disons, c'est quelque chose d'autre. Le truc, c'est que lui, il est chaud. Non, mais même si lui c'est chaud, ça s'est mal passé derrière, bah, moi j'aurais honte. Ouais, ça te bloque un peu quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu veux pas avoir honte avec une meuf avec qui tu fais l'amour, tu vois. C'est chelou. Ouais, c'est comme les meufs. Non, on n'est pas là pour t'acheter la manger avec elle. Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais genre niveau relationnel, tout ça, ça se passe normalement, mais c'est juste qu'après, quand on passe au pieu, c'est fini. Genre depuis ce moment. Ouais, t'as un syndrome post-traumatique. Comme les mecs qui ont fait la guerre et qui reviennent. Mais elle, c'est pas ta meuf, non? T'as trop vécu, mec. Ah si. Si, c'est sa meuf. Attends, il a dit, t'es libertin, machin. Si, mais après, il s'est dit pour cette Saint-Valentin. Cette Saint-Valentin, il s'est dit, c'est faire les choses bien, il a rencontré une belle meuf. Je suis dissipé, moi, à cause de ce. La vie de libertin, c'est allé mieux. C'est vrai que la vie de libertin, c'est allé mieux. T'es un fuckboy, tu vivais bien. Ouais, mais. Après, il l'aime bien, ça se voit, il l'aime bien. Il y a des sentiments, tu vois. Canard. Il y a des sentiments, il y a des conséquences aussi aux actes. Quand une meuf a dit, mets-toi à quatre pattes, c'est bizarre.
Ouais, mais écoute, on est dévoués, voilà, c'est tout. Ouais, mais sans accessoires, les gars, vous faites les pros, voilà. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Fallait lui demander, t'as déjà fait ça ou pas ? Sec. Bah ouais, mais elle m'a pas prévenu, frère. Elle y est allée à sec. Bah dis-toi que toi, ça donne une bonne leçon, toi, avec les meufs, tu feras pas ça. Ah bah là, oui, bah clairement, ouais. Mais tu te demandes, elle est venue d'où cette idée dans sa tête à elle ? T'imagines ce qu'elle a regardé ou ce que ses potes ont dû lui dire ou j'en sais rien. Ouais, c'est à Saint-Valentin, c'est un trou. Je sais pas, en vrai, tu vois, j'en ai pas trop. J'ai pas essayé de ramener ça à la discussion. Ouais, tu t'as vois, pas débrief. Ouais. Voilà, c'est bon, ça s'est passé. On disait, bon, bah c'était de la merde. Sauf vous en avez même plus parlé. Autre chose, mais sauf que depuis ce moment-là, ça passe plus. Mais ouais. Toi, tu pratiquais la sodomie avec elle? Ouais, vite fait. Comment ça, vite fait? Genre, un petit bout et tout. Je suis pas fan, quoi. Elle aime bien, mais moi, non. Pourquoi? Ah, parce c'est que naze. Je sais pas, je trouve ça serre, etc. J'aime pas. Ah ouais? La sensation que ça fait. Pas, vas-y, moi, j'ai arrêté ça, mais vas-y, frère. Je veux bien faire le bac comme dans Rocky. Je dirais des balles cassées. Un boule là, je dis oh là là. Moi je fais plus ça. J'ai arrêté depuis 6 mois. Bonsoir Joël. Gros l'entrée des artistes, ouais non. Ah ouais, backstage. Le petit prince. Ah, c'était lourd. Moi, vas-y, un voisin entre 2-3 là. Donc là, le problème prince. C'est quoi? C'est que tu l'aimes toujours, mais t'es un peu. T'arrives plus à bander quoi. Ouais, c'est ça, genre je suis devenu un peu impuissant quoi. Même quand tu regardes des pornos? Je regarde plus trop depuis que je suis avec elle, tu vois. Ouais, mais là, du coup, vu que t'arrives pas à baiser avec elle, t'as jamais envie de baiser comme ça? Non, c'est bien, ça m'aime même pas, gros, c'est... Ah ouais, t'as enlevé... T'as leur rendu à tuer, ouais. Ah ouais. Libizero. T'as pris ta note. Libizero, c'est fait rien. Elle a dû appuyer sur un bouton qu'on connaît pas. Enfin, t'as même pas envie de te branler, toujours. Elle t'a cassé. Bah non, gros, mais gros, plus pas du tout. Fumer sa libido. Y'a rien. Ah ouais. Tribulus. Faut que tu fasses une petite cure de Tribulus. Tu sais quoi? T'as un conseil peut-être, Broken? Moi j'ai rien. Tribulus, rigole pas, c'est pas des blagues. Hein. C'est quoi ça? Oh, ça marche pas bien, frère. C'est quoi ça? Là c'est beau, tu connais. Il va ouais, ouais, tu vas se dire. C'est quoi? C'est un booster de testo utilisé en musculation, mais bon, l'efficacité reste à prouver en fait. T'as déjà essayé toi? Bah bien sûr. Et maintenant il est sur la radio ouais, sec, ça marche pas quoi. Non, bah après, voilà, moi je suis pas sur le truc sérieux, tu vois. Kamagra? Eh hey mec, tu veux qu'il se fasse bonne ou quoi? On a pas le droit. Bah, je sais pas, frère. Mais non, je sais pas si ça a mentionné un médicament là. C'est un médicament. Il y a pas de problème par rapport à ça. C'est un médicament. Mais ouais. Non, vous m'entendez? Mais ça marche là? Hein? Enfin, genre c'est énervé. Ah quoi? Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Tes cheveux ils repoussent là. Ah ouais. Ça? Je te dis, tu perds du poids genre. Non ouais. À la fin que t'as fait, t'as fini avec la meuf. Après la meuf, wesh. Ah ouais. Elle dort direct. Son, moi j'ai jamais essayé. Après, je comprends rien ce qu'il raconte depuis tout à l'heure. Elle dort. Vas-y du coup. Parce que je parlais de Kumaga, je sais pas quoi là. Kamara. Ouais c'est ça, c'est pareil. Kumaga le cas. C'est même délire. Et après la meuf, wesh. Kumbaya. Mais laisse tomber cousin. Enfin. Ouais. Genre t'éjacules ouais. Ouais mais t'es ouais, toujours mais... vénère. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais t'es toujours vénère. Taureau. Tu comprends pas. Ah en fait t'as le truc qui... Tu vois. Le truc il, tu t'es pas toi. Il bosse. Sinon Crazy Tiger hein. Ouais mais tu prends du plaisir. Crazy Tiger. Ouais ouais ah. Mais... Non ça doit être genre trop mécanique non. Ouais ouais en fait ouais c'est plus pour la meuf que toi tu vois. Ouais c'est vraiment en mode c'est en mode, ton t'es soir t'es un réacteur. Mais après il faut même c'est ta journée. Même, tu vois. Donc genre t'en prends et là tu dis ok aujourd'hui c'est ah ouais ouais ça, les étoiles t'as vu Buzz l'éclair dans un pignier au delà on va aller là-bas aujourd'hui ah oui tu lui ramènes pas la lune tu lui ramènes les étoiles ouais, frère ça, c'est intéressant là. Mais tu sais que et ma parole que c'est meuf, dangereux non par contre quand j'avais testé ma parole que la meuf elle m'a dit toi tu t'es dopé. T'es dopé ouais. Parce que ouais t'as fini mais t'es là t'es en pleine forme et toi tu dis à la meuf tu veux pas t'arrêter. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, tu vois, genre de continuer à bah, genre à bander après un rapport. Ouais. Mais j'avais 2 grammes d'alcool dans le sang. Ouais, c'était un dysfonctionnement de mon cerveau. J'étais explosé. Il avait un délai. J'avais un délai. T'as entendu, frérot? Ouais, bah du coup, je sais pas quoi te dire, frérot. Kumaga, là. Kamaga. Non. Je sais pas si c'est légal. Je crois pas. Ouais. Non. Mais il peut aller voir en pharmacie. Ouais. Pire, il peut en pharmacie, ils vont te donner des trucs. Il y a des mecs qui sont passés, ils sont partis, voir des sexologues. Bah ouais, faut aller chez le médecin. Lui, il peut. Il donne des trucs. J'avoue, j'ai pas pensé au médecin. T'expliques et tout. Ouais. Bah docteur, ouais. Non, mais sérieux, la vraie solution, ouais. Tu vas chez le médecin. Il peut t'aider. Tu vas chez le médecin. Mais surtout, c'est psychologique. Genre, dis-toi peut-être qu'avec le temps, ça va venir. Ouais, peut-être. Ouais, aussi. Mais là, franchement, je suis.
terminé, quoi. Genre, c'est... je suis en rénovation, j'ai l'impression. Et t'as essayé quelques jours sans branlette, sans rien? Ouais, mais rien, y a rien, vraiment rien. Ça fait combien de temps, là? Ouais, ça fait 2-3 semaines depuis le 14. Ah, quand même. Ah ouais. 2-3 semaines? 2-3 semaines, y'a plus rien. Ah ouais, frère. Redeviens libertin, t'avais envie de t'éclater. Mais c'est cool, c'est des bouteilles d'oasis là. Ouais, j'avoue, j'ai pas essayé avec d'autres meufs, tu vois, mais c'est. Enfin, je veux dire, après, je suis pas. Après, il est avec sa meuf. Moralement, c'est impossible. Ouais, bien sûr, ça s'entend. Un frérot va en pharmacie, je pense. Ouais, là, consulte. Va voir un sexologue. Consulte, ouais, consulte. Pourquoi nous on est pas assez bien? Okay. Non. On a pas de licence. Ouais. On a pas de licence. Ouais, on peut juste pas lui prescrire des petits médicaments. Ah, on pourrait lui donner. Ça fait docteur sexe. Ouais, mais nous on est des docteurs, tu vois. Et après, faut que t'ailles voir les nouveaux. Les experts, les spécialistes. Voilà. Là, on t'envoie la pharmacie. Situation relationnelle. Ça, pour le coup, c'est mental. On n'est pas dans la mécanique. Tu vois ce qui se passe? Si, pour le coup, c'est mental. Tu vas faire. Ça va revenir. Non, on fait tout. Mais faut que tu fasses. Moi, je pense que tu fasses un travail psychologique autour de toi. On va remplacer. Et que tu oublies cette histoire. Que t'oublies, c'est difficile. Ouais, moi je pense que t'es encore choqué encore. Moi je pense que t'es encore choqué un peu. Ok. Ça va te prendre du temps, laisse du temps au temps. Ouais, là, prends ton temps, frérot. Et pas trop de temps, c'est important le sexe. Ouais, sinon t'arrêtes. Ouais, imagine, tu la perds après à cause de ça sans vouloir te mettre la pression. Du sexe. Vous êtes des bâtards. Il arrive même plus à se branler, wesh. Vas-y, frérot. C'est un truc. Vas-y, t'as des dédicaces. Bien sûr, vas-y. C'est comme si elle avait appuyé sur l'interrupteur. Ouais, bon, alors du coup, dédicace à Kylian du quartier avec un K. Aïe. Alexis le petit. Le piéton. Mathis le braseur. Théo El Béni. Gaël le Sravovic. Tout son quartier. Le mec du théâtre déguisé en arbre. Dédié à Carnage. Même si à la base j'étais venu pour dire fuck, mais dédié à Carnage le bro. Vive Carnage. Dédié à la présélection. And also fuck Côté. Ah le bâtard. In English, please. Elle était fort en dédicace, hein, ouais, c'est ça. Tu... C'est la concurrence, hein. C'est pour que vous passez la dédicace. Je te jure. Il a tout donné dans le fuck pété. C'est plus gentil, l'allume. C'est qu'en plus, lui, il est dans la sauce de ouf, hein, parce qu'il est amoureux de sa meuf. Ça se passe bien. Et il peut rien faire, genre. Quel enfoiré. Il est dans la sauce de ouf. La pause, les gars. Ah, le caméra, le photographe. Bah c'est historique, quoi. Je... prends mon biceps, frère. Là, y a pas, c'est pour ça que j'ai demandé les blouses. Je prends des photos droites, là. Il y a le photographe qui est là, et il prend des... On va te dédicacer, t'inquiète. Joël, t'es pas content. T'as vu la photo qu'il a mis sur Twitter tout à l'heure, là? Toi, attention. Ouais. Je vais te tirer par ta casquette à la fin. L'homme de l'ombre. Eh, Broken, la tradition, en général, l'invité, il vient, il raconte une histoire. On a fait 3 histoires pour l'instant, je pense que c'est peut-être le bon moment, non? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai ça tonne pas. Après, une pause. Monsieur AB1. Une histoire à raconter. Ouais, monsieur AB1, allez. Je raconte une histoire, c'est la tradition. Chacun invité la pub. Une histoire sur quoi? Hein? Ouais, qui t'a sinon, après la pub, j'avoue. Sinon, après la pub, pour que j'aille faire pipi. Après la pub, producteur, c'est quoi la pub? C'est là maintenant, on peut la mettre maintenant. On peut la mettre maintenant? Ouais, bien sûr. Regardez, les gars, ce qu'on vous fait, vu qu'on est en IRL, on va se faire une petite pause. On fait tous pipi. On revient. Une fausse clope. C'est pas rien. Ouais, et on reprend avec l'histoire de Broken. On arrive dans 5 minutes avec l'histoire de Broken et on continuera la radio sexe comme tous les soirs. Comme ça, il arrive bien. C'est ça. Et voilà. A tout de suite, les amis. Let's go!